Oui, je sais, au retard sur 20. Là. Hop. Bonsoir. J'ai plus l'habitude de ces lives-là, et j'ai pas pensé sur le coup, il a fallu que je rebouge un peu tout, pour être dans le bon sens. Du coup, voilà. Donc j'espère que j'ai pas encore tout pété au niveau de l'interface. Normalement, on est OK, le tout qui est revenu, ouais, c'est ok, tatatitatata, c'est bon. Bon, eh ben, à peine arrivé, on est déjà trois. Eh ben, bienvenue les gens, et bonsoir. Faire suite à ce, encore une fois, le live de l'improbabilité du freeze du PC. Ouais, j'allais dire, j'ai pas de son, mais si, c'est bon. Il marche à gauche. Ouais, il marche à gauche, ok. Tac, tac, tac. D'ailleurs, c'est bien beau d'avoir recadré le chat, mais je ne l'ai pas testé. Tac. Voilà, ça marche, c'est bon. Par contre, le siège y est déjà descendu. Ça commence. Et après, le live de du freeze du PC, et bah, le live de la descente du siège. Bon, déjà, on va lancer le jeu, ça sera pas mal. Waouh! Waouh, ça vient de me hurler dans les oreilles. Normalement, chez vous, ça marche. Et c'est bon, ok. Pardon. J'ai bu juste avant, j'ai bu un peu trop vite. Et re-choupinateur, ou bonsoir. C'est selon. Parce que bon, au bout d'un moment, t'étais parti, tu me répondais même plus. Mais je sais plus à quel moment j'ai mute. Ok, je regarde la rediff. Mais j'étais pas mute en revenant. Bah non, de toute façon, tu me disais, ouais, on t'entend. Par rapport à la coupure. Donc c'était bon, vu que j'avais coupé et relancé, c'était ok au niveau du son. Donc de ce côté-là, c'était pas encore mute. Mais à quel moment j'ai mute? Parce que j'ai jamais appuyé. Enfin, si j'ai peut-être appuyé sur le bouton, j'ai peut-être fait un truc. Peut-être pour aller vérifier, parce que ça sentait un peu chelou. Voir si le chat avait pas fait des choses. Je crois que c'est ça. À un moment, ça sentait vraiment trop chelou et ça sent vraiment pareil que quand le chat nous lâche un bon gros paquet de marde au milieu du couloir. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est ça. Hello, Chap Mike. Comment ça va?
Donc ouais, à mon avis, c'est à ce moment-là. Mais j'espère que c'était pas trop loin dans le live, parce que sinon il y aura tout le live, enfin toute la deuxième partie avant la coupure, qui sera sans comment dire. Alors attends, j'ai réouvert là, on va refaire un petit test vite fait. Paf, je suis là, c'est bon. J'ai le chat sur la tablette au cas où. Ok. Voilà, comme ça les gens, s'il y a une coupure et que je la vois pas, faut pas hésiter. Si je suis mute, faut pas exister. Faut pas hésiter. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu d'escalade. En fait, comme le live de cet après-midi, mais dans l'autre sens. Je vais aller fermer la fenêtre avant qu'il y ait des bestioles qui rentrent et puis que finalement il fasse peut-être trop froid. Mais là, je suis déjà en train de crever de chaud, alors on verra bien. Mais je préfère ça que d'avoir des bestioles de marde qui me pourrissent la nuit. Déjà que le chat s'en charge très très bien. Mais toi, t'as une coupure? Non, j'ai le PC qui a freeze. Après 2h ou 2h30 de live, le PC il a freeze. Pourquoi, j'en sais rien, mais à mon avis, il n'a pas aimé. Parce que j'ai. Alors, bah avant le live, toute la matinée qui a précédé, il y a eu du YouTube, du Photoshop. Et Photoshop, en fait, quand je lance le PC, il est à genoux en ce moment. Je sais pas. C'est depuis. Il y a une mise à jour, il n'y a pas très très longtemps, je crois. Et depuis, le PC, il bourrine à mort quand il y a Photoshop. Bon, je vais escalader ma montagne là. Parce que la fenêtre, elle est de l'autre côté du lit, mais le lit est contre le mur, donc la fenêtre, elle est contre le lit. Et de l'autre côté, bien sûr. Bon, allez, à tout de suite. Waouh! J'ai poussé. Oh putain. Pourquoi elle est pas contre le mur? Ah. Hop là. J'ai mes étagères derrière. Ça doit être à force de taper dessus avec l'arrière du siège. Elles sont avancées. Mais elles se sont avancées proportionnellement, toutes les étagères sont avancées en même temps. Et la planche qu'il y a dessus, elle a fait pareil aussi. Donc j'ai failli me prendre plein de trucs sur la gueule. Ça aurait été très très drôle. Bon, alors. Bien, et toi, t'as une coupure, ça c'est fait. Comment ça? Ok. Hop, hop. Point, 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 point. Je vais arracher le câble du micro aussi. Hein. Tant qu'à faire, hein, autant tout casser. Là, je. Non. Je suis perdu, je sais plus. Il me manque des trucs là, non? Changer de scène. Ça, d'accord. Je crois que c'est ça qui me manquait. Paf, voilà. Tant qu'à faire. La lumière derrière, je l'ai pas changé de couleur, mais bon, voilà, et c'est bleu, voilà. Allez, c'est y part, saison 1, épisode 4. Et j'ai plus l'habitude du stream deck. Allez, il va y avoir une cinématoque, je pense. Il y aura le générique, en tout cas. Mais c'est ça qui me perturbe depuis tout à l'heure. J'ai le câble du micro, là, qui me fait... Voilà. Hop, bon là il est un peu tendu au milieu, mais il est mieux. Hop, tac et toc, c'est bon. Le Elgato il est ok. Le son du bureau je l'ai viré, mais de toute façon il n'y en a pas normalement. Quoique il y a les notifs. Je vais l'activer, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de son. Du coup,
Je me suis rendu compte d'un truc aussi, il y avait le son des notifs quand je les ai activés sur Twitter. Je me suis dit, ouais, c'est quoi, il y a des notifs devant maintenant? Et en fait, j'avais pas fait gaffe, vu que j'avais pas vraiment le son, je le mets assez bas pour percevoir la musique, mais pour pas avoir le retour de la musique dans le micro. En fait, j'avais pas fait gaffe, en fait, il y a toutes les notifs. Dès qu'il y a une notif qui passait, ça faisait bloum. Et voilà. Coucou, comment ça va? Alors elle, on va la ban def. Comment que ça va? Bah ça va. J'ai fait un joli pixel art aujourd'hui. Encore. Encore une fois, je suis content de ce que j'ai pondu. Bon, allez, on continue. L'épisode 4. Je me rappelle plus du tout de la fin de l'épisode 3. On avait retrouvé les gens, les quatre témoins, les quatre, je sais plus quoi. Si, les quatre témoins, je sais plus. On verra bien. Et faut la ban dev direct, hein, parce que c'est à cause d'elle que j'ai coupé le live la dernière fois, que je suis parti à l'arrache, à moitié énervé et que j'avais plus envie de rien faire. Qui c'est qui était là? Je sais pas si t'étais là, Choupinator. Je sais plus. Je sais plus qui c'est qui était là. Enfin bon. Voilà. Ouais, non, mais je pense pas. Je sais plus. Je sais plus qui c'est qui était là. Ah bah oui, je suis bête, c'était hier. Hier, il était pas là, Choupinator. C'est ce que je disais à la fin du live, Choupinator, il nous a délaissés. Non, t'étais pas là, je crois. On t'a. Enfin, je me rappelle pas t'avoir vu hier. Je crois que c'était ça. Il y avait. Ça y est, je vois des pseudos dans tous les sens et j'ai oublié le nom des gens. Mais ouais, c'était hier après-midi. Parce que il y a des gens, au lieu de prévenir avant, tu vois, ils décident le jour même, tiens, est-ce qu'on leur demanderait pas de venir? Bon, on va les embêter tout le temps pour qu'ils viennent. Comme ça, ils vont venir. Et puis voilà. Hier après-midi, j'étais pas là, j'étais aux courses. D'accord. Moi, c'est demain après-midi que je vais aux courses. Et normalement, ça devrait aller. Hein. À partir de 13h30, j'y vais. 5 minutes après, je suis reparti. C'est bon, c'est livré, quoi. Normalement. Bon, est-ce qu'on ne cliquerait pas sur continuer là? Parce que. Hein, bon. Il n'y a plus de retour possible. J'avais oublié qu'il y avait de la lecture. Bon, alors attention. Il n'y a plus de retour possible. Je sais plus quelle voix j'avais fait pour qui. J'ai perdu ma télécommande parce que c'est en train de me déglinguer les oreilles. Hein. Pourtant, je suis en. Ah, bah oui, je suis en 14. Normalement, je suis en 8. Je peux aller jusqu'à de la fallu. Hop. Moi, je voulais. Ah, oui, alors du coup, j'ai pas compris. C'est la démo que t'as pris ou t'as carrément pris le jeu? J'ai pas eu l'info quand je suis passé cette nuit. Ah. L'info de quoi? Du live de l'après-midi qui a été écourté? Je crois que j'en ai parlé vite fait. Peut-être au tout début, avant que tu arrives. Ah, le jeu carrément. Ah bah d'accord. T'as pris lequel? Épée ou bouclier? J'espère pour toi que t'as pris bouclier, comme ça tu vas me donner les Pokémon que je peux pas avoir. Non? Cool! Cool! Tu vas pouvoir me donner plein de trucs que j'ai aucune idée. Ah si! C'est quelle version qu'a le canne artichaut? Ah non, je crois que j'en ai un, donc c'est pas ma version. Ah, moi je peux avoir des pala trucs, je sais pas quoi, paladin. Palartichaut, voilà, palartichaut, voilà. GG va le prendre aussi. Oh, bah bien. On va pouvoir faire des raids. Parce qu'il y a des raids dedans. Bon, allez, c'est pas. On n'est pas sur Pokémon, on va arrêter de parler Pokémon, parce que là l'ambiance, c'est pas trop Pokémon. Et t'en penses quoi au fait du coup? Enfin après, ça dépend le point de vue des gens.
Mais moi, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus sympa que Pikachu. Bon, après, Pikachu, ça reste un Pokémon classique. Et après, faut s'y faire, par contre, au système. Mais le truc, dès que t'as fini les tutos et tout, et que t'arrives dans les arènes pour faire les combats dans le stade, là, c'est ouf, quoi. Et les combats, ils sont trop, trop bien, quoi. Je vais tester, arrivé là, je suis resté 3 heures dessus. Ah bah, bienvenue dans Pokémon. Bon, allez. Il n'y a plus de retour possible. D'accord, je suis en train de mourir. Bon. Ah. C'est vrai qu'on s'était fait spoil ça, et après j'avais quitté. D'accord, on joue. C'est moi. Il y a la touche de triche, mais on va pas l'utiliser pour le moment. Ah non! J'ai pris ma décision. Va boire un coup. Je suis prêt. Vas-y, fais-le! Oh. Fais-le! Oh. Fais-le! J'ai pas mis voice mode. J'ai lavé ma voiture, d'accord. Sympa. Ben moi, hey, tu sais quoi, moi hier soir, j'ai fait un live en rentrant qui a duré jusqu'à au moins 4h, 5h du mat. Et mon pixel a dit, il était rigolo, il était joli. Là là là. Bon, Voice mode, il est où? Il est là, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis de quoi comme voile? Celle-là, peut-être. Fais-le. Sais pas du tout ce que ça a pu donner. Ah. Je vais garder comme ça. J'ai oublié que j'avais tout changé. Ouais, je voulais passer en full screen, j'ai un petit foirage parce que sur full screen j'avais oublié le bordel que j'avais mis dedans. Vois-tu toutes ces étoiles qui scintillent dans les abysses noires? Toutes ces constellations dessinées par l'œil de l'homme depuis la nuit des temps? Je crois que c'est à cause de ce jeu-là que je fais des espèces de rendus sans contour. Avant je faisais des contours partout, j'en fais même plus maintenant. Et maintenant, regarde la forêt dans la vallée, vers cette vieille tour. Voilà, et puis il y a des gens qui savent pas se servir de leurs doigts. Je sais pas c'est quoi qui est tombé, mais le bruit que ça a fait à travers le casque, c'était chaud. Ah, c'était peut-être la Switch. Voilà, alors acheter des Joy-Con, acheter une Switch maintenant. Tant que c'est pas la mienne, ça va. Bon, allez. Des derniers arbres à l'horizon. Quoi? Des derniers arbres. Ah non, ok. Des derniers arbres à l'horizon jusqu'aux étoiles brillant dans le ciel. En passant même par les pierres sous nos pieds, ce ne sont que des silhouettes qui cachent la vérité à nos pauvres gens. Pauvres sens. J'arrive plus à lire. Les ombres anciennes pèsent sur le voile qui cache le monde, comme le rideau sur la scène d'un théâtre. Le voile sépare la vérité du mensonge. J'avais pas fait gaffe, mais la typo, elle est pas mal, elle est lisible. Sauf qu'elle fait 5 de haut pour les miniatures. Et elle fait 7 de haut pour les grandes lettres. Et bof, quoi. Je préfère ma mienne. Elle est toute petite, on peut écrire plein de trucs.
Bon. Les ombres anciennes pèsent sur le voile qui cache le monde, comme le rideau sur la scène d'un théâtre. Le voile sépare la vérité du mensonge. Je crois que je l'ai déjà lu. Ah? On va retrouver Ève. Le voile est un lieu de vite, un lieu de brume. Les grandes capacités d'Anthony t'ont entraîné jusqu'ici, mais son influence disparaîtra bientôt, et encore une fois, le masque du mensonge t'obstruera les yeux. Tu dois trouver la porte, comme je l'ai moi-même fait. La porte qui ouvre le passage à travers le voile. Ça rassure pas beaucoup. Ouvre-le et nous marcherons ensemble par-delà la brume. C'est... Non, c'est une meuf. Ouais, elle a un chapeau. Okay. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir en urgence. Je ne peux le nier, votre lettre était particulièrement mystérieuse. Eh bien, j'ai voyagé, docteur. En Écosse, pour être exact, avez-vous entendu parler du massacre de Saint-Gall? Oui, pourquoi? Ces événements tragiques ont fait l'objet de spéculations et de rumeurs sinistres dans chaque journal d'Angleterre. Depuis des semaines, bon nombre de revues et de prospectus affirment que toutes sortes de choses macabres ont eu lieu là-bas. Mais je ne comprends pas. Comment mon patient est-il relié à tout ça? Il y était. J'ai bien peur qu'il en soit l'une des victimes. Oh mon Dieu. Ouais, médecin. Êtes-vous en train de me dire que mon patient a été assassiné? Assassiné? Non, fort heureusement. Pardonnez-moi si je vous ai alarmé. Je ne voulais pas vous donner cette impression. RT Vite a été attaqué, mais il a survécu. Que lui est-il arrivé? Il semblerait que RD8 ait surpris le criminel en plein milieu de ses actes. Ce dernier a ensuite essayé de lui faire la même chose que ce qu'il avait perpétré sur les autres personnes. Heureusement, les nonnes sont arrivées à temps pour le délivrer du cercueil. Puis RD8 a été hospitalisé. Les nonnes racontent qu'il est resté inconscient pendant un jour entier. Pendant un jour entier. Que faisait David là-bas? Autrefois, la clinique Saint-Gall était un pensionnat. Apparemment, votre patient ainsi que M. Bischworth y ont passé ensemble une partie de leur jeunesse. Nous pouvons donc en conclure que R. David était en train d'enquêter. Il croyait avoir trouvé un indice sur la mort de son ami. Quelle est la cause de ces affreux décès? Personne n'est vraiment sûr. Les victimes étaient toutes marquées par de terribles blessures et toutes avaient gardé une expression d'extrême terreur. Je vois. Quelles sont les conclusions que vous tirez de tous ces faits? Je la vois part en cacahuète. J'ai quelques théories, mais je préférerais ne pas avoir à vous les dévoiler tant que cette affaire n'aura pas été tirée au clair. En tout cas, il reste un élément fondamental dont le rôle n'a pas encore été identifié. Et quel est-il? Les sœurs ont trouvé quelque chose sous RT vite dans le cercueil. Une seringue hypodermique vide, avec quelques traces d'une substance inconnue. Ok. Waouh, une maison dans la forêt. Saison 1, épisode 4, Ombre ancienne. Je vois flou. Et je suis sûr que c'est le bon endroit. La maison d'Alexandre doit être un peu plus loin. Ok.
J'ai l'impression d'être tout blanc, je sais pas si c'est le bleu derrière. C'est là, c'est la lumière du jour qui est trop blanche. En fait, ça m'envoie du blanc dans la tronche. J'ai l'impression d'être tout blanc, tout pâle. Bon, pas grave. Alors, vas-y, on y va. Une serre de belle facture, elle est vieille, mais encore en bon état. Pardon. Personne ne répond. Je devrais peut-être entrer quand même. Je dirais simplement à la famille que je suis un vieil ami en visite. J'ai pas mal à la gorge, mais la voix elle veut pas. Hein. Hier j'avais mal à la gorge, là ça pique un petit peu, mais ça va. Bon, du coup, on va aller voir là. C'est verrouillé, je ne peux pas l'ouvrir de ce côté. Ok, on peut pas regarder. Ah, on peut regarder la fenêtre. La maison est allumée, quelqu'un doit être là. La maison est allumée, quelqu'un doit être là. La maison est allumée, quelqu'un doit être là. Il y a une grande barre de fer qui traverse la grille. En travers de la grille, c'est pareil. La barre de fer. C'est assez bizarre que cette grille ait été verrouillée depuis l'extérieur. Bon, en même temps, les gens, ils vont pas s'enfermer dedans. Faut de l'huile. Un petit peu. Oh. Est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir cette porte et d'aller voir là-dedans? Il y a des bruits. Je veux pas dire, mais il y a des bruits. Il y a des bruits qui donnent vraiment pas envie d'aller voir ce qu'est-ce que c'est qui fait du bruit. Et j'ai pas de lumière. Bonjour. Bonjour. Hello. On va mourir. On va mourir. Non, il n'y a rien de... Le bruit s'est arrêté. Ah non. Bon. Ok. Et il a même pas pris la barre de fer. Elle est là, la barre de fer. On peut pas la prendre. Ok. Une serre de belle facture. Ouais, mais on l'a déjà lu. On va retourner dehors, enfin dehors. Pardon. Je sais pas s'il y aura un live de la nuit cette nuit. Là non, j'ai peut-être un petit peu trop enchaîné entre le live d'hier après-midi, la soirée, le live de la nuit, le live de l'après-midi là, le live de ce soir là. Non. Je pense que le prochain live, ce sera demain en rentrant des courses. Ah ! L'ancien château de Pevensey apparaît au loin. C'était une garnison construite par les Romains, mais elle a été abandonnée et le château est en ruine depuis. Il y a un truc là, on dirait une grosse statue. Je vois un chien. Non? Ici là. Il n'y aurait pas une statue de chien? Genre là, t'as le support, genre le piédestal, ou le support quoi. Et là, je vois un chien, genre là, une oreille là, un œil, l'autre côté du museau, le museau là, avec la pointe, la truffe. Là, il ouvre la gueule ici. Je vois un chien, quoi.
Faut que j'arrête de faire des trucs en pixels parce que je commence à voir des choses. Il y en a, ils voient des orbes et des fantômes, mais moi je vois des choses dans les pixels. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Là, on a encore un exemple de trucs que j'aime pas dans les jeux comme ça qui sont mal faits. C'est nul. Voilà. Ici, c'est pas pixel perfect, mais c'est fluide. Voilà, quand on va bouger, ça va être fluide. Ça bouge pas pixel par pixel, mais il devrait faire en sorte que le là où on s'arrête, que la caméra, elle s'arrête en mode pixel perfect. Ça, je suis sûr, c'est faisable. Genre, tu te mets un travelling qui fonctionne normal en pixel par pixel normal. Et tu dis un pixel de l'écran, ça vaut 10. Et le truc, il se met automatiquement sur un multiple de 10 sur la largeur. Et voilà quoi. C'est aussi bête que ça. Mais après, ils ont peut-être pas pensé, je sais pas. Mais c'est très frustrant quand t'as un jeu qui est comme ça, qui est juste excellent, d'avoir des petits trucs comme ça qui perturbent les yeux. C'est vraiment dommage. Allez, on retente. Ah bah c'est ouvert. Non mais depuis tout à l'heure, je fais le tour pour rien. Waouh. Encore une fois, il y a le côté perspective là qui est vraiment bien foutu parce que t'as les meubles et tout. Je voulais faire une table comme ça sur mon Globi dessin pour le art déco là. C'est une table comme ça que je voulais, sauf que j'avais trop de pixels à l'écran. Et une table comme ça, j'aurais dû réduire mon image et j'aurais pu la faire tranquille. Et encore maintenant, depuis les délices, là, le prochain Globi dessin, c'est bon, je vais faire un truc de dingue. Déjà, je vais revoir mon canevas pour le Pixtogether. J'allais encore dire Pixtober, mais non. Et du coup, ça dépend. Si je suis encore en forme, je bosse dessus ce soir, cette nuit, quoi. Mais sinon, on verra peut-être demain soir, tranquillement, quoi. Débrouille pas, il doit y avoir quelqu'un là-haut. Mais quoi? Oh. C'est une très belle horloge, mais elle a plus l'air de fonctionner. Il manque l'une des aiguilles. D'accord. Ça va être l'horloge de Resident Evil. Va falloir mettre une heure précise pour que ça marche, non? Une femme étrange me regarde de haut. Et elle me reproche en silence mon intrusion. C'est vrai que les tableaux, les visages, ils font 2 pixels sur 2, mais t'as l'impression qu'ils te fixent, quoi. C'est ouf. Hello Tom, ça va et toi? Cela pourrait être le château de Pevensey, mais sur cette peinture, la garnison n'est pas en ruine. Ah, Shurka sur Animal Crossing, je sais pas si elle fait un live. J'ai pas fait gaffe. Faudrait que je m'y remette à Animal Crossing. Je l'ai lancé l'autre jour, j'ai rien fait en fait. Je l'avais laissé tourner et je l'ai un peu oublié derrière. Je vais encore avoir mon compteur d'heures de jeu dessus complètement pété. Inversement, j'ai trouvé une police pour les crédits de fin dans Isaac. Elle est en pixel perfect. Ça veut dire que l'effet dégradé sur les bords est inexistant. Ça fait juste des lettres dégueulasses. Ah ouais, mais parce que t'as pas vu la mienne. Quoique, tu l'as peut-être vu, hein, mais faut que je la crée. En fait, non, faut que je la crée déjà. Faut que je trouve un logiciel qui me permet de créer des typos en mode pixel. Et là, ce sera le top, quoi. Je pourrais utiliser ça tout le temps, quoi. Ça, j'ai lu. Ok. Deux vieilles tasses de thé sont posées sur la table. L'une d'elles est pleine et encore chaude. En gros, si tu veux une idée de ma typo qui est là, hein, je l'ai sorti de là-dedans,
à force d'écrire des trucs, bah tu l'as sur les sur les globes des seins un petit peu sur les derniers. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, arrête de faire des trucs n'importe. J'ai appuyé sur quoi? Pourquoi il va là? Bon, c'est pas grave. Allez. Et un petit peu sur les globes des seins, mais surtout sur les pixels d'Élise, j'écris tout avec cette typo quoi. Donc dès que j'ai un texte à écrire, ça va être avec ces lettres-là. Et je vais... Faut que je m'en occupe de ça. Je vais faire un fichier, genre 128-128, avec toutes les lettres, tous les caractères que je veux intégrer à ma typo. Et là, ça pourrait être très très cool à faire. Si j'arrive à en faire une... il me faut vraiment le logiciel qui va avec... Je sais plus qui m'avait parlé d'un truc pour créer une typo, mais c'était sur le net. Il y a quelqu'un qui m'avait filé un lien. C'était pas Construct, mais Font Struct. Et j'ai pas regardé encore, mais parce que c'est le côté truc sur le net, j'ai jamais vraiment aimé ça, quoi. Moi, je veux vraiment un logiciel, avoir mon fichier... original sur mon truc que je puisse modifier quand je veux, comme je veux quoi. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'est pas censé être une police en pixel art et en a juste l'effet parce que le jeu zoom sur mes... D'accord. J'ai vu que tu avais dépassé les 50. Ouais, on l'a fait cet après-midi quand Vijaya il est passé. On est même à 51. Attention. Je crois. Ouais, on est toujours à 51, ça va. Hello Alexander à Maroc, bienvenue. Une lampe à huile. Ah bah voilà, on y verra mieux. À pouvoir aller dans le... dans la grange, mais non pas la grange, là. Dans la serre. Alors ça m'inspire pas des masses. Là, le puits avec la ficelle qui pendouille. Ou alors là, dans les deux cas, je veux aller pas là, ni là. Là, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Là, il y a une tombe, hein, tout, clairement. Bon, on va inspecter, c'est déjà ça. Oh! On dirait que quelqu'un était enterré ici. C'était pas Baldwin, là ou... Comment il s'appelait? Si, Baldwin, il s'appelait le fossoyeur. Allez. Un ancien puits en pierre, une corde de pan à l'intérieur disparaissant au fond dans l'obscurité. Ouais, mais j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que si je fais ça, ça prend la corde ou est-ce que ça... Où il y va? Bon. Ah bah non, il tire comme ça. Aïe. La corde a cédé, je vais garder cette extrémité. Arrête de jouer avec ça. C'est... Le mouvement que tu fais, c'est pas très très... Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cave? La porte de la cave est verrouillée, j'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir. Ah, faut la demander à Maxime. Bon, on va aller voir là-bas. Ah, bah ça c'est cool, on a fait tout le tour. Du coup, on peut aller là maintenant avec la lampe, non? Mais... Voilà. Bon. Alors, je rappelle que juste avant, on a fait un aller-retour, il s'est rien passé. Sauf que maintenant qu'on va voir ce qui s'est passé, ou alors c'est quelque chose qui nous a pas vu, tout clairement. Mais maintenant qu'on va voir ce qui va se passer, on va se faire pouffer, quoi. Non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. Ça va être les statues d'anges de Doctor Who qui vont se déplacer quand on va... Non, j'aime pas les trucs comme ça. Genre les... Tu vois, les jeux où t'es dans une pièce et il y a que des mannequins inanimés,
Mais dès que tu détournes les yeux, les mannequins, ils sont déplacés. Et ça va être ça. Là, ça va être ça. C'est sûr. Obligé, c'est ça. Il y a déjà deux statues, là, comme ça, de visu. Bon. Ce carreau a l'air d'avoir été brisé de l'intérieur. Ouais, mais. Mais non. Ah non, je pensais qu'il ramasserait des morceaux de verre ou. La statue d'un ange aux ailes déployées. Sa tête a disparu. Ah non, tu veux pas avancer? Ah si. Ouais, encore une autre statue. Une fiole contenant une substance bleuâtre, de l'huile de vitriol, est marquée sur l'étiquette. On prend. Pas ce qu'on va en faire, mais bon, on prend. La statue d'un ange couverte de moisissures, et il me dévisage d'un œil triste. Ah, mais c'est carrément les anges de Doctor Who, quoi. C'est bon, il y a rien d'autre. On a juste récupéré du vitriol, je sais pas quoi là. On peut se casser. Ça va encore faire du bruit dès qu'il n'y aura plus de lumière. Et là, j'y retourne, ils ont bougé. Ça fait crack. C'est quoi qui a fait crack? Non, il dit pas que ça a bougé, donc. Il y a un truc. Hein. Ah, et puis tant que je reste là, il y aura des bruits. Oh non. Tu me fais peur, Alexandre Maroc. On évite tout ce qui est spoil, backseat, etc. Mais ça, c'est un des concepts de base en stream. Hein. Je pense qu'il n'y a pas. Je le dis à chaque fois, mais il n'y a peut-être pas vraiment besoin de le rappeler à chaque coup. Mais ouais, mais ça me fait peur là, les bruits hein, qui bougent quand on n'est pas à côté. Là. Et en plus, la serre, elle était verrouillée, c'était fermé. Je vais aller dans la maison, je vais revenir, il y aura les anges qui seront là, quoi. Non. On a une corde, du vitriol. Sais pas ce qu'on va en faire. On n'est pas allé à l'étage encore, hein. Il y avait du bruit tout à l'heure. Ils nous ont dit, oui, il y a peut-être quelqu'un à l'étage. Là, je me rappelle plus. On y était allé, non? Ah non, on avait vu l'horloge. Ah si, on est venu ici, on était sorti par là. Donc il n'y a rien de spécial, je peux peut-être. Non. Non. Bon, hop. Ah! Ok. Non, mais on sait jamais, parce que je sais que Maxime, il a fait il n'y a pas longtemps, bah, il l'a même fini hier, si j'ai bien compris, non? Enfin, il avait prévu de le finir hier, je sais pas s'il l'a fini. Et moi, justement, je me suis forcé à pas aller sur le live, et puis bah, pour compenser, je me suis fait mon petit live de la nuit. Et l'idée, c'est d'éviter tout spoil sur le jeu, parce que le jeu, il est trop, trop bien, quoi. J'ai pas envie de me faire spoil pour un. La figurine d'un ange fait face au mur. La silhouette d'une femme. La silhouette d'un homme. Il ressemble fortement à Alexandre. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, hein. Il y a un air. Il y a un air d'Alexandre. Une belle peinture des édifices romains locaux, mais dans un sens, ils ont l'air encore plus anciens sur cette représentation. Il y a eu un truc chelou dans le son. Le son, ça fait un truc bizarre. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Il fait trop noir. On va aller voir là en face. Le portrait d'un vieil homme, peut-être un capitaine de bateau, il semble surveiller ce coffre de son regard sévère.
Un énorme coffre fait dans du bois de chêne. Il y a un gros crochet en fer à l'intérieur. Je vais prendre ce crochet. Il y avait une page d'un journal sous le crochet. Ça veut dire de la lecture. C'était prévu qu'il y joue, mais perso, je dormais, donc je sais pas s'il a fini la saison 2. D'accord. Mais je crois qu'il... Enfin, il y avait marqué de l'As d'or sur son truc. Sur son Twitch. Bon, alors, attention. Le 5 août 1887. Je ne peux plus travailler dans la cave, ces sculptures, je sens qu'elles me narrent depuis la pénombre. Je sais que ce n'est pas possible, mais je peux entendre les craquements, des battements d'ailes, le grincement de la pierre sur la pierre. Leurs grimaces figées avec quel art diabolique ces gestes ont-ils été imaginés? Un mouvement éternel, une tension. Une lutte impossible pour reprendre la vie qu'elles n'ont jamais eue. Je devrais les déplacer dehors, dans la serre, pour laisser la moisissure les dévorer et les guêpes faire de leur cœur vide. Pas finalement. Je me dis, je quand même, parce que j'ai pas envie de louper une porte, même si là. Enfin, bon, voilà quoi. La porte est déjà ouverte, il fait tout noir dedans. Hein. Alexandre! Attends, je vais lire le papier avant d'aller te voir. Il y a un mot griffonné sur ce bout de papier. Le voile est quelque chose que nous ressentons en notre fort intérieur. En vain, nous gâchons nos vies, désespérant de passer au travers. Zaïla et Tal est le rideau derrière lequel battent les grandes ailes. Dans cette brume ancienne vivent les ombres de ceux qui sont partis. Alexandre, c'est moi, David. Je suis désolé si je t'ai surpris. Voilà. Est-ce que tout va bien? Pourquoi es-tu assis sur une chaise roulante? Tu es blessé? Tu peux te lever? Il fixe le néant avec des yeux vides, comme s'il n'avait pas entendu ma question. Tu m'as demandé de venir, ce que j'ai fait dès que j'ai pu, mais peux-tu me dire ce qui se passe? Il ne répond pas, mais son tête a fixé quelque chose tout près. Pardon. Il semble dans une sorte de transe hypnotique. Quand j'étais en bas, je jurais avoir entendu des bruits de pas. C'était toi ou il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Pendant un instant, j'ai senti une étincelle d'espoir alors qu'il me regardait. Mais il ne répond pas. J'aurais peut-être dû mettre un truc genre ça. Pendant un instant, j'ai senti une étincelle d'espoir alors qu'il me regardait. Mais il ne répond pas. Je sais pas ce que ça peut donner, j'entends pas moi ce que ça donne, mais est-ce que par hasard ça marcherait pas mal pour les pensées? Quand les gens y pensent? Ou alors ça fait trop instant promo? Parce que là-bas c'est un son pour faire des promos dans les magasins. Je sais pas si ça marcherait là, l'espèce d'effet. Pour. Là, quand le perso il pense, pour pas mettre l'effet église, parce que ça, voilà, ce sera pour la lecture. Mais le côté qui résonne un petit peu, peut-être pour les pensées, on verra. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Alexandre, s'il te plaît, dis quelque chose, je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Que lui est-il arrivé au juste? Ouais, genre ça peut le faire au niveau audio ou pas, parce que moi je l'entends pas. J'ai pas mute, hein. Parce que depuis tout à l'heure, comme cet après-midi, pendant un bon moment, je parlais aux gens, je demandais leur avis sur les motifs que je faisais sur le pixel art. J'avais aucune réponse, on me répondait même pas.
parce que j'avais mute, je l'avais pas vu. Pourtant, le bouton, il passe rouge. Hein. Quand je suis mute, c'est rouge. Mais bon. Ça fait à la fois promo et pensée. Ouais, mais justement, c'est ça le problème. C'est un son pour la promo. Parce que si ça fait promo, bof, quoi. Non, je vais peut-être pas l'utiliser, là. Un coucou. Ce coup. Voilà, par exemple, même si je parle pas fort, toi, c'est. Par exemple, tu peux faire. Aujourd'hui, promotion exceptionnelle sur la saucisse de Strasbourg. Voilà, donc ça, ok, c'est de la promo. Mais si je parle dans un ton un peu calme et pas fort, est-ce que ça marche ou pas? Ce coucou est recouvert de poussière. On dirait qu'il manque la pièce la plus importante, l'oiseau. Ou alors, ce coucou est recouvert de poussière. On dirait qu'il manque la pièce la plus importante, l'oiseau. Premier ou deuxième? Je vais pas lancer un vote pour ça. Hein. J'ai jamais lancé de vote d'ailleurs. Je crois. J'ai déjà fait un ban def, mais j'ai jamais lancé de vote. Je trouve qu'il se passe bien, mais celui-là, je sais pas. Ouais. Pile ou face? Pile ou face, choisissez et subissez. Et j'ai oublié d'activer l'effet. Ah là là. Non, mais je sais pas, parce que moi je l'entends pas, vous l'entendez, vous pourrez me dire, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est soit je le mets pas, je parle doucement, ce coucou est recouvert de poussière, genre comme ça, genre c'est, il se parle à lui-même dans sa pensée, soit je mets l'effet... l'effet promo. Alors voilà, je vais vous faire les trois à la suite. Ce coucou est recouvert de poussière. Ce coucou est recouvert de poussière. Ce coucou est recouvert de poussière. Voilà. Et maintenant, le choix vous appartient. Tiens, 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 tiens. Je sais pas. Deux, c'est la promo. Enfin, deux, le deuxième effet. Ou alors, la deux, le premier effet. C'est le premier effet, on est d'accord. Vive ou mourir, à vous de choisir. Le choix est fait. Découvrez l'apparence de votre destructeur. Donc le 2, ça veut dire avec l'effet promo, quoi. Et je pense que pour y penser, ouais, ça fait une espèce de petit écho derrière, ça peut être pas mal. Mais le truc, c'est que je l'imagine, là, je l'entends pas, je l'imagine seulement. Et d'où ma frustration de pas l'entendre et de vous saouler avec le choix. Bon, allez. Ce coucou est recouvert de poussière. On a déjà lu 4 fois, ça. Au moins 4 fois. Oh, une horloge. Un petit peu comme ça. Alors, je vous conseille de tourner la tête comme ça, ou vous verrez l'horloge dans son sens normal. C'est-à-dire 11h15. Il est 11h15 du matin ou du soir, je sais pas, mais il est 11h15. Le cadran a été tourné. Ah, c'est le cadran qui est tourné, pas les aiguilles. Donc, c'est pas 11h15, du coup. Là, il serait plutôt 8h tout rond. Il est 8h. Ok pour le 2, va pour le 2. Ok, bah merci beaucoup, ce sera pour le 2.
Je le garde de côté, voilà. Le cadran a été tourné. Voilà, c'est celui-là, le 2. Allez, je prends l'aiguille, non ? Non. Mais quoi ? Non ? Comment je ressors, comme ça ? Oui. Donc soit 8h tout rond, soit 11h15, mais je pense que c'est 8h tout rond, parce que si c'est le cadran qui a été tourné. Mais il nous manque une aiguille, en tout cas. Un quai brumeux surplombe un océan gris. Des mois tournoient dans le ciel. Je ne comprends pas que lui est arrivé. Bon, et ben je regarde tout le reste comme ça maintenant. Oh merde. Aïe. Et moi, je fais ça d'habitude, ça craque pour un rien. Là, ça a même pas craqué là. Je sais pas pourquoi. Faut que je le décide quand ça craque des fois, j'en sais rien. On peut même pas ouvrir le rideau. Notre pauvre ami Hector, j'ai oublié son nom. Alexandre. Il est triste, il faut regarder par la fenêtre, mais il n'a pas le droit, il est puni. Allez. Pardon. Allons derrière ce rideau très accueillant. Ah, là je retrouve mes couleurs normales. Il n'y a plus la lumière du jour de dehors. J'avais vraiment la tronche blanche de ce côté tout à l'heure. C'était horrible. Qu'est-ce que c'est ? C'est le verre rouge qui recouvrait la lampe. Il est complètement brisé et éparpillé sur le sol. Une lampe pend au plafond, son ampoule diffuse une lumière blanche très intense. Qu'est-ce que t'as fait, David ? Ah non, il a juste pris l'ampoule, ok. Bah voilà, gros malin, on voit plus rien maintenant. Bon. Il y a un robinet sur le bassin. Est-ce que Maskim irait faire de la barque au bassin d'Arcachon ? Non, je vais pas partir là-dessus. Allumons ce robinet. Ouais. Ah, attends, si je mets... Ce liquide devrait être appliqué sur la plaque. Quoi ? Mais quelle plaque ? De quelle plaque tu parles ? J'ai loupé un truc. Il devait y avoir une plaque à nettoyer ou quelque chose. Oh. L'image d'un couple portant des masques de rats lors d'un festival. C'est sympa ça, le festival du rat. C'est un gros livre de formules chimiques. Quelques pages ont été annotées et des articles ont été soulignés. Ah, attention. Donc là, c'est pas les pensées, c'est la lecture. 31-49. Collodion pour photographie. Le collodion est le moyen par lequel les produits chimiques pour la photographie sont unis à la surface de la plaque de verre et par lequel le revêtement sensible est produit. Bon nombre de formules sont fabriquées grâce à ce composant, ce qui lui octroie une importante valeur. Certains avancent que sa composition particulière dépend des... Que de sa composition particulière dépendent les chances d'échec ou de réussite. Ce n'est qu'en partie vrai. 31-51. Développer une image positive. Il faut verser sur la plaque 1 g de vitriol
et seulement ensuite ajouter 5 ou 6 gouttes d'acide cyanhydrique. Puis, la plaque doit être méticuleusement passée sous l'eau pour enlever toute trace de produits chimiques. Les causes d'échec nécessiteraient un chapitre à part entière. 31-50, les causes d'échec. J'ai pas lu le titre. Désolé. Les causes d'échec nécessiteraient un chapitre à part entière. Notre longue expérience nous permet d'affirmer que 9 échecs sur 10 sont dus à l'inattention, à la présence de saleté ou à la simple négligence. Bien que les meilleurs résultats récompensent toujours les plus rigoureux, on ne peut pas être parfaitement attentif, attentionné et propre. Faites attention au Covid, les gens. Ainsi, si une erreur venait à être commise, notamment dans l'ordre des composants spécifiés par la formule, nettoyez la plaque sous l'eau et recommencez. C'était bien. J'ai bien lu avec un ton bien chiant, parce que c'était une notice d'utilisation bien chiante. Je me rappelle pas du tout de ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le but d'une notice. Tu la parcours, tu te dis ouais, ok, et au final t'as rien compris quoi. Une fiole contenant une substance jaune, cyanure, est marquée sur l'étiquette. Haha, un prénom du cyanure, allons le donner à Alexandre, qu'il en finisse. C'est un gros livre de formules chimiques, quelques pages ont été annotées, on l'a déjà lu, arrête. Voilà. Non, mais... J'appuie une fois de plus pour quitter le truc. Qu'est-ce qui se passe? Il relit, quoi. Ah, bon. Un instrument dont la fonction n'est pas de ma compétence. Ok. Pas de bouquin. Il y a encore des bruits chelous, hein. Pardon. Un bassin avec un siphon en cuivre. Je vais mettre du cyanure dedans. Non, j'ai besoin de quelque chose sur lequel appliquer le liquide. Là, il parlait d'une plaque. Donc la plaque qui parlait dans la notice, c'est-à-dire la plaque où il y a les photos. C'est le verre rouge qui recouvre la lampe et complètement brisé, éparpillé sur le sol. Mais tu veux pas en ramasser? Non, bon tant pis. Donc ça veut dire qu'on n'a plus la lampe rouge pour les photos aussi. J'ai juste de tilter ça quoi. Un trépied pour appareil photo. Ok. Allons-y là-bas. Au fait, je l'ai pas dit au début de live, mais j'ai gagné un succès sur Steam encore. Le truc là, le succès, je sais pas quoi, communauté, parce que bah, justement, on est arrivé à 50 followers et je suis à 2,06 viewers en moyenne par live sur 3. Donc là, ça va être le but, c'est d'avoir des gens qui viennent et puis on verra comment ça se passe, si ça se passe. Voilà, je continue à faire mes live pixel art tous les jours, on verra s'il y a des gens qui viennent, si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, bah tant pis pour eux. Allez. Mais ouais, dans l'idée, là, c'est le dernier truc qui nous reste à faire et c'est cool. On va pouvoir mettre les points de chaîne. Compte niveau tarif, alors je pense qu'on va partir sur 8000 pour un pixel art 8x8. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Et moi, c'est, j'attends juste, pas pour être affilié pour les subs et compagnie, ça je m'en fous, j'en veux pas. J'ai pas envie d'avoir de trucs à remplir, de paperasse en plus, ça va être chiant. Mais pour activer les points de chaîne. Donc juste pour ça, et rigoler avec ça. Enfin rigoler, je sais pas encore, peut-être souffrir, j'en sais rien. Mais l'idée, ça va être de laisser les gens choisir des... Oh, merci pour le follow Alexander Amarok, bienvenue, t'es déjà là mais bienvenue quand même, bienvenue chez les pixels on va dire,
Vas-y, on va dire que les communautés, c'est des pixels. Parce qu'on fait plein de pixels. Et en plus, on est sur un jeu avec des pixels. Et voilà. Donc, j'ai pu le faire. T'étais pas obligé non plus. Mais c'est sympa de le faire. Très très sympa, merci beaucoup. Par contre, ça me l'a pas compté. Ah si, 52. Haha, attention, on rigole plus. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, par rapport au point de chaîne, c'est le seul truc que je veux faire en fait avec le fait d'être affilié. C'est d'activer les points de chaîne. Et du coup, tu vois, le truc qu'il y a chez Maxime ou chez Jex de demander un dessin avec un certain nombre de points, moi je vais faire ça. Il y aura quasiment que ça. Bon, il y aura les trucs classiques. Ah, je sentais venir, j'ai froid maintenant. Mais du coup, l'idée, ça va être... les gens, ils vont utiliser 8000 points, par exemple. Et je pense que je vais faire comme ça, peut-être partir sur un compteur de 8 en 8. Donc en gros, 8000, tu pourras demander, selon le thème, enfin un petit thème, un petit truc rapide de ton choix, un pixel art de 8 par 8 pixels. Après, ça change, 16000, tu auras un pixel art de 16 par 16 pixels. 32000, 32 par 32 pixels. 64000, 64 par 64 pixels. Ça commence à faire un petit peu plus gros. Genre 128000, un pixel art de 128 par 128, quoi. Et en gros, c'est l'idée que j'ai, c'est de lancer ça, quoi. Ça pourrait être rigolo. Et franchement, ça ferait des rewards pour les gens. Comme ça, juste pour les remercier d'être là. Du coup, vu qu'ils sont là, ils cumulent des points. Et quand ils dépensent leurs points, bah, ils ont une récompense par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça que moi, tout le côté sub et compagnie, je m'en fous, quoi. Après, c'est quand même sympa si t'as des gens qui s'abonnent, ça veut dire qu'ils aiment ce que tu fais et te soutiennent, d'accord? Mais c'est pas le premier truc que je cherche. Moi, je cherche juste les points de chaîne. Et ça sera les points Pix. Et voilà. Là, pour le moment, les tarifs, c'est ça que j'ai en tête pour avoir un ratio par rapport aux tarifs. Après, à voir si ça change ou pas, parce que j'ai pas vraiment d'idée de combien de points tu peux cumuler à certains moments, quoi. Et ça reste dans le thème, bah oui, mais complètement, parce que même là, on est sur une interface de l'Asdor, mais l'interface, je l'ai changée. Enfin, elle est pas faite, je vais pas la montrer. Ce sera l'interface des Live Pixels, là, que... Là, pour le moment, j'ai que l'interface des Live Pixels. Donc ça, là où il y a 3,95, c'est normal, c'est parce que c'est mon écran de la tablette, et la tablette est éteinte. Et en gros, là, j'ai vu un truc passer, non? J'ai vu une banane, non? Ou ça a bugué? J'ai cru voir la notif avec la banane qui danse. Mais du coup, là, j'avais fait un truc avec des pixels. Mais c'est pas terrible. Il y a juste le logo, celui-là, j'en suis hyper fier. Je l'ai fait en moins de 2 minutes. J'en suis trop, trop content de celui-là. Pour les live créa, c'est le logo, c'est celui-là. C'est sûr, voilà. Après... L'idée, c'est de faire tout en pixel, toute l'interface, de mettre des choses, de trouver une mascotte que j'ai déjà en tête avec plein de trucs, de faire une intro et une outro en pixel art, une animation. Et j'ai trop de trucs que je veux faire, mais trop de temps aussi que ça va prendre à faire, quoi. Mais l'idée, ouais, c'est après Spyro et The Last Door... L'interface, ce sera une interface globale, mais le contenu, genre le petit bonhomme qui va servir de mascotte, il va faire des choses en rapport avec le thème. Genre, le mardi sera un jeu normal, donc il va s'amuser, il va gambader. Le vendredi, il va avoir peur, il va se foutre en PLS dans un coin ou il va se planquer dans une armoire. Ce que j'ai dans l'idée de faire un bonhomme qui se balade et puis qui fait des animations, des petits trucs. C'est comme l'intro des lives, j'ai envie de faire un truc comme ça, quoi. Et du coup, ça va carrément me simplifier, ce sera toujours la même interface. J'aurai pas besoin de chercher
des images du jeu, là par exemple de l'Asdor, j'ai mis un petit moment avant de faire cette interface là pour trouver les images, les couleurs et tout. Mais une fois que l'interface est faite, ce sera nickel. Comme là, le logo qui est au-dessus, on se fait dessus en live, je vais le refaire en mode pixel art. Et pareil, j'ai commencé à refaire l'autre aussi, on se fait un jeu en live. Donc il y aura, on se fait un jeu en live le mardi, on se fait dessus en live le vendredi, et le live pixel art bah, tous les jours, ou la nuit, ou n'importe quand quoi. Maxime, de parler des devs qui commencent à monter leurs propres équipes pour se débarrasser des problèmes posés par les grosses boîtes. Pour rappel, c'est exactement comme ça que les grosses boîtes ont commencé, donc le problème recommence. Ouais, ouais. Ok. La boucle est bouclée, on va dire. Bon, allez, on va retourner à notre David avant qu'il fasse n'importe quoi. Et j'ai le nez qui me gratte, ça y est. Depuis que j'ai éternué, j'ai le nez qui me dérange. L'image d'un ange au visage doux. Un buste tourné vers le mur. C'est une lettre. Cher Alexandre, j'ai une excellente nouvelle. Un de mes contacts de l'université m'a donné accès à un ouvrage d'alchimie du XIIe siècle contenant une formule époustouflante. Cela ne fait aucun doute que parfois la simple contemplation, fait son chemin dans l'esprit d'un homme, sinon je ne l'aurais jamais découverte. Alors que je parcourais ce grimoire et m'émerveillais de ses magnifiques enluminures, j'ai été frappé par une soudaine révélation. Une méthode radicale mais élégante que j'ai décidé d'expérimenter. Pardonne-moi de ne pas te fournir plus d'informations à ce sujet, mais dès que j'aurai des résultats définitifs, je t'écrirai immédiatement. J'ose croire que la bonne fortune nous a vraiment souri aujourd'hui. Videte nequis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 qu
Ça commence à plus être drôle s'il faut commencer à noter des choses. Or, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait soit 11h15, avec un point d'interrogation, soit 6h tout rond. Ah non, pas 6h, 8h. C'est lui qui m'a perturbé là. Donc, du coup, je vais devoir le relire parce que j'ai oublié. C'était quoi, 6h15, non? À 6h15. 6h15 de l'après-midi, donc 18h15. Voilà. De toute façon, une horloge, il n'y a pas 24 côtés pour l'aiguille, quoi. Ça se saurait. Bon. Ensuite. Ouais, le coup du piaf, moi je voulais le garder, il était rigolo, il nous faisait des petits cuicui, le piaf. Comme le siège qui arrête pas de faire des petites blagounettes à descendre tout seul. Parce que j'ai vu sur l'écran que ma tête a été devenue un petit peu basse. Bon. Je l'ai vu le tableau ou pas? Non, j'ai pas vu le tableau. L'image d'un ange au visage doux. Voilà. C'est fatigué. Je viens de me rappeler que si je fais un double clic à l'endroit où je veux aller, il va plus vite. Ah, là par contre, il veut pas. Ok. Il faut qu'il y ait deux petites flèches. Et j'ai pu penser, je voulais modifier les trucs de Nightbot là, mais. J'ai carrément pas pensé. Qu'est-ce que. Quoi? Deux vieilles tasses de thé sont posées sur la table. L'une d'elles est pleine et encore chaude. Mais il y a bien quelqu'un là-dedans. Il a dû partir. Est-ce que si je mets du cyanure dans la tasse, quand il va revenir, il pourra plus bouger? Il sera peut-être un peu mort, on pourra pas lui parler, mais. Mais au moins, on le verra qui c'est. Non? Ah. Ah, je l'ai pas vu ça. C'est un journal intime, où ce qu'il en reste, les dernières pages ont été arrachées. Attention. Séance lecture de l'ennui. Parce que ça va être long, je sens. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être super long. Allez. 12 octobre 1887. Cela fait longtemps que je ne suis plus consacré à ce journal. Ceci pour des raisons que je ne contrôle pas. Monsieur Dupré est tombé malade, il est plongé dans une perpétuelle stupeur, de laquelle, semble-t-il, il ne devrait pas revenir si tôt. Depuis, je me demande si c'est pas une madame qui aurait écrit. Depuis, je prends patiemment soin de lui. D'accord. Depuis, je vais essayer de parler comme ça. Bon, je prends patiemment soin de lui. Les traitements du médecin n'ont pas l'air de faire effet. Je le nourris comme un enfant et je m'assure que toutes les sculptures de la maison sont tournées vers les murs. Que puis-je faire d'autre? 13 octobre 1887. L'horloger vient de partir. Il a fait du très bon travail. Ces derniers temps, M. Dupré n'est même plus capable de remarquer les changements d'heure des horloges. Chose qu'il ne supportait pas avant. Dans son état, le temps n'est plus un problème. Il me semble que ce soit le journal d'un des domestiques d'éléphant. Quelle heure est-il arrivé? Je viens de voir un truc passer. Devant. Je crois que j'ai fermé la fenêtre peut-être un peu tard et je crois qu'une bestiole de marde est entrée, du genre moustique de marde.
qui va me faire liège toute la nuit. Bon. Oh. Un garde-manger avec des épices et des ingrédients. Tu veux pas en prendre, non? Bon, tant pis. Il y aurait peut-être des trucs utiles. Ah! Seulement quelques vieilles bouteilles. Tu veux pas en prendre des bouteilles? On a besoin, là, pour faire ça. Non? Marche pas. D'accord. On va finir par utiliser la touche de triche. Il y a encore des robinets. Ah oui, on n'était pas allé là. Et si je fais ça avec ça, déjà, voilà. On a une belle canne à pêche. Hop là. Il y a un truc qui s'était décroché, qui était tombé. Dans le seau, avec la boue et la crasse, il y a un petit oiseau en laiton. Donc ça confirme, David était bien en train de jouer avec son petit oiseau. Bon. Un petit oiseau en laiton. Quand je le secoue, un bruit retentit comme s'il contenait quelque chose. Arrête, David, parce que si tu secoues ton petit oiseau, forcément, oui, il contient quelque chose. Et là, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux l'utiliser. Je le jette. Non, mais non. Ça risque de marcher. Bon. On va m'essayer, mais je pense pas. Je ne veux pas le jeter. Putain, c'est ça. Avant de le jeter, je dois prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais oui. Il donnait du cyanure à l'oiseau. Non. Il n'y a pas un truc avec quoi je pourrais l'éclater? Je peux pas creuser à main nue. Encore une fois, la boucle est bouclée. Mais là, pour le coup, tu vois, j'ai envie de lui mettre un coup de marteau. C'est pas juste la fois où j'ai mis le malheureux coup de marteau au malheureux Ozio. Et bah, c'était pas voulu. Là, on a vraiment envie de le casser, cet oiseau, parce qu'il a un truc dedans. Toi, et logiquement, tu vois, tu peux le prendre, tu le poses au sol, et David, il saute dessus à pieds joints. Là, il est éclaté, l'oiseau, on saura ce qu'il y a dedans. Mais non, il va falloir trouver un moyen, un autre moyen, quoi. Il y avait quelque chose, peut-être, dans la serre, j'ai pas pensé. On va aller voir. C'est maintenant que je sais qu'il y a un truc, je vais avoir l'impression qu'il y a un truc qui me touche depuis tout à l'heure. Non? Je sens un truc là depuis quelques temps. Ah, j'aime pas dès que il y a des insectes ou des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Et maintenant, j'ai encore le mec qui me gratte, mais de l'autre côté. Mais de l'extérieur. C'est trop relou. Il n'y a aucun sens à ce nez. Des fois, il est sec, tu sais pas pourquoi, mais il est plein et sec, donc tu te mouches, tu t'arraches le nez. T'as des fois, il te gratte, mais juste à la limite, pas l'intérieur, hein, pas de long, mais juste à la limite, là, autour, y a rien. Je comprends rien à ce nez. Faut que je me remette, j'ai pris du pchit qui est censé te nettoyer le nez, mais je suis pas sûr de l'efficacité, quoi. En soi, un bon coup de mouchoir, c'est bon, quoi. Ce carreau a l'air d'avoir été brisé de l'intérieur, mais on l'a vu tout à l'heure. Mais je te demande pas de regarder le carreau, je te demande d'avancer. Avance. Voilà. Ah, ok, on entendait des paffs, des booms, des pings, des bombes. Non, on peut pas le mettre là. Parce que je suis devant, peut-être. Non, on peut pas, tout court. Statue d'un ange couvert de moisissure.
Bon, bah, ce que je me suis dit, si je pose l'oiseau sur l'espèce de truc là où on a pris, je sais plus quoi, le vitriol, peut-être qu'ils vont taper dedans. On se dit, c'est pas le vitriol. Il y a un truc quoi, avec le carreau. Le carreau, il y a forcément quelque chose à faire. Je tape dessus avec l'ampoule et là, j'explose juste l'ampoule. Il nous faut de la peinture rouge en tout cas, hein, pour avoir une ampoule rouge. Ce qui pourrait être vachement utile pour la suite, je pense. Crac. Ah, bah, il n'y a plus de zozio. Bah, ça, c'était le côté début du jeu, découverte. Hein. Tu essayes des trucs, c'est un point and click. Mais tu essayes des trucs sans, en te disant non, bah non. Y a aucune raison que ça marche, hein. C'est être rigolo, c'est juste pour faire le kéké pendant le live. Ouais, c'est bon, regarde, j'ai utilisé le marteau sur le piaf. Et puis de zozio. Après, je crois qu'on était quand même obligé parce qu'il aurait fallu le tuer pour le donner à manger au chat. Alors, même si le chat, je pense qu'avec un petit zozio en train d'agoniser, il aurait été content, il aurait joué avec un petit peu. Et ça se trouve, j'aurais peut-être pu choper le chat si j'avais pas tué l'oiseau. Peut-être que l'oiseau, il aurait continué à piailler, on aurait trouvé le chat. Parce qu'on l'a trouvé le chat, mais il nous a juste sauté dessus, il s'est barré. Quoi. Mais non, mais c'est bon, j'ai lu ça. La touche de triche. Je vais utiliser le buste. C'est lourd, un buste. On peut pas. Ah, mais c'est relou, maintenant. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui montent dessus. Quoi. Ah. Plus le jeu, il est pas là pour te rassurer. Bon, après, en soi, là, ça va. Il se passe pas de trucs trop horribles pour le moment. Juste nous faire un jumpscare de la mort et puis je vais encore sursauter, je vais me prendre le contenu des étagères sur la tronche. Mais non, j'aimerais pas trop. Retournez là, je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Ah, mais c'est Alexandre. Alors, ah, une lampe. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Sur la table de chevet, il n'y a rien à part une boîte portant l'inscription Laudanum à prendre en cas d'anxiété. Elle est vide. Bien sûr, mais est-ce que je peux... Non, je peux même pas la prendre. Bon, bah, ok. C'était vide, il fait même pas d'effort, quoi. Tu as une boîte vide de médicaments douteux, et bah, tu la prends, quoi. Et je mets du vitriol dedans. Non, ça marchera pas. Est-ce que tu veux du cyanure? Non. Eh, salut! Est-ce que tu veux boire un coup de vitriol? Non, est-ce que tu vas bien un coup de scène? Non. Regarde mon joli oiseau. Non, tu veux pas. Tu as une. Non, il y a une lumière derrière, je vais pas la glinguer. Ah, attends, le coucou. Le coucou, 18h15. Ok, c'est bon. Mais le coucou, je crois qu'il manquait l'aiguille, non? Ah, bah non, il manque la pièce la plus importante, l'oiseau. Mais quel gogo, j'ai complètement zappé l'oiseau. Non mais le cadran a été tourné. Sors Jean-Michel, sors. La clepsydre. Quoi, le clepsydre? Non. L'oiseau s'insère parfaitement. Bah oui, mais je veux l'exploser moi l'oiseau, je veux pas qu'il fasse coucou. Bon. Nous avions donc 18h15, est-ce que je peux le tourner? Le cadran a été tourné. On peut rien faire. J'ai mis l'oiseau, ok. Mais quoi maintenant? Qu'est-ce que quoi? Bon. Eh bien, voilà.
Il a dit toutes les... Ah, mais non, toutes les horloges, elles sont synchro. C'est-à-dire qu'il nous faut une aiguille encore. On a tout vu. Je crois qu'on l'a vu, ça. Un cabu... Des mois de tournoi dans le ciel. Ouais. On va utiliser la touche de triche. La touche de triche, oui. Mais là, on a tout vu. Là aussi, voilà. Ah, purée. Eh ben, moi qui pensais peut-être éventuellement terminer le chapitre ce soir et peut-être commencer la saison 2, je crois que la saison 2, ça sera pour la prochaine fois. On va au moins finir le chapitre, même si ça dure jusqu'à après-demain. Mais là, il manque l'aiguille. C'était une très belle horloge, mais elle n'a plus l'air de fonctionner. Ben oui, mais... Il y a bien un truc là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Là, il n'y a rien de spécial. On va aller dehors. Ah non, c'est vrai qu'il y a encore ça. Le labo photo. Ça, on l'a pas ouvert encore. La porte de la cave, oui, j'ai besoin d'une clé. Oui, mais... Je peux le prendre, le seau, non? J'ai pas pensé, mais peut-être. Étrangement, il ne semble pas y avoir d'eau dans ce puits. Ah non, il veut pas. Il veut pas. Ah, on n'a pas vu les branches. Les branches nues font s'étirer l'arbre jusqu'au ciel et brisent la nuit en milliers de morceaux. Wow, c'était beau. Bon. Ici, il y a plein de trucs. Cela m'aurait pris la journée, mais j'ai enfin atteint la maison d'Alexandre. Et juste à temps, car il fera bientôt nuit noire. Peut-être un peu le cas déjà. Cela m'aurait pris la journée, mais j'ai enfin... Ouais, bon, ok. Et sinon, tout le reste, on l'a vu. Dans la serre, peut-être des trucs. Non, les anges pleureurs là qu'on peut peut-être inspecter. Là, c'est le carreau cassé. Là, c'est l'ange là et là, c'est l'ange l'eau. Ok, on a pu. Ok. C'est quoi ça? J'ai pas eu le temps de lire. Ah non, c'est Docteur Mario. Mais... Pourquoi il est toujours installé d'ailleurs? Joseph, un petit peu de Docteur Mario, non? Ah, encore un message privé sur Twitter. Encore un compte à signaler et à bloquer. Trop bien. Alors, y a forcément quelque chose, quoi. Est-ce que si je retourne dans l'espèce de d'entrée là où on était, j'ai pas utilisé la touche de triche encore là. Ah, il y a deux trucs. Ah, il fait tout noir. Il faisait pas tout noir tout à l'heure. Oh putain. Le corps d'un cerf, son abdomen est déchiré. Il a l'air d'être mort il n'y a pas longtemps. Puté.
Ça sent chelou. Et ma fenêtre est fermée. Il y a peut-être des chances que ce soit le chaud. On peut aller dans le décor derrière? On peut pas aller. Mais non, on peut pas y aller là. Il y a un truc ici. Bon ben. On voit en plus clairement qu'on peut monter là. Ok. Bon. Bon, bah, il n'y avait plus de socio. Le deuxième socio qu'on voulait exploser, on n'a pas pu, on l'a mis dans le coucou. Et par contre, là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de chance, je sais pas. Ici, on a tout fait. Pardon. Donc, c'est forcément dans la baraque que j'ai oublié quelque chose, quoi. Oh purée, Il y a quand même beaucoup de choses à cet étage, mais... J'ai pas envie d'utiliser une soluce. Ça serait gâcher le jeu un petit peu. Puis il est que 22h20. Normalement le vendredi c'est 23+. Donc voilà. Même si je commence à avoir froid et que je suis claqué, mais bon au moins. On essaye de finir le chapitre. Enfin c'est même pas on essaye, c'est que... On finira pas le live tant qu'on n'a pas fini le chapitre. Je vais montrer l'ampoule. Non. Je comprends pas, que lui est-il arrivé? Ben moi non plus, on peut même pas ouvrir les rideaux. Est-ce qu'il y a une raison? C'est comme le coup de la tapisserie là qu'il fallait déchirer. Alors qu'on avait juste à la tirer un petit peu, on passait derrière. Ça a juste pas trop de sens quoi. Bon après c'est le jeu qui est comme ça, mais... Mais voilà, quand un minimum de bon sens, ça aurait été cool. Là, la boîte, il y a quelque chose à faire avec la boîte. Je peux inspecter la boîte, je vais pas y mettre une ampoule dedans. Non. Je vais mettre du cyanure. Non plus. Ouais, mettre le feu. Non. Je sais pas quoi faire. Non. J'essaie de trouver un... Un truc hein, qui pourrait marcher avec, avec ce qu'on a là. Y a pas... Qu'est-ce qu'il m'a fait pour payer? Il n'y a pas d'autre chemin ou quelque chose. Cela pourrait être le château de Pevensey, mais on a déjà lu. Et là, il y a une tasse qui est encore chaude, mais ça va faire 3 jours qu'on tourne. Et on sait très bien que
qu'en 30 minutes, un thé ou un café, il perd 25% de sa chaleur. C'est ce que je vais mettre dans mon interface. J'ai remarqué, en fait, café, j'en fais un. Boum, je le pose. Une demi-heure après, il n'est pas chaud, il est entre tiède et chaud. Donc il a perdu un peu. Et encore une demi-heure après, il est tiède, donc il a perdu un peu. Une demi-heure après, il est entre tiède et froid. Et entre après, il est froid. Donc tu as 4 phases sur le café. Donc en 2 heures, il est froid, c'est sûr. Mais chaque demi-heure, il perd 25%. C'est ce que je me suis rendu compte cet après-midi. Et je vais essayer de faire une connerie de quelque chose à partir de ça, quoi. Je sais pas si je vais le mettre sur l'interface ou quoi. Mais je vais mettre genre une commande. Point d'exclamation café. Et je sais pas comment ça pourrait fonctionner. Mais j'aimerais bien que ça lance quelque chose, genre un compteur, qui te dit genre toutes les 30 minutes. Attention, ton café est mi-tiède, mi-chaud. Après, 30 minutes plus tard, attention, ton café est tiède. 30 minutes plus tard, attention, ton café est entre froid et tiède. Et voilà. Ou alors, chaleur du café à 100%, à 75, 50, 25. Avec une... je sais pas comment je pourrais faire ça. Genre une jauge qui s'affiche. Une jauge de chaleur du café avec un thermomètre à côté, quoi. Parce que à chaque fois, je me fais un café, j'y pense pas, et quand j'y repense, il est froid. Et ça pourrait être rigolo à faire. Comme ça, je le vois direct. Avec le retour, je le vois directement sur l'interface. Je vois la jauge. Je sais pas si c'est faisable. Je pense que c'est faisable bah, avec tous les trucs de... Je sais pas si c'est Stream Elements ou quoi, mais par exemple, tu prends l'interface de Zach. Il a des trucs dans tous les sens, quoi. Donc, je suis sûr, il y a moyen de programmer quelque chose. Comment, j'en sais rien. Est-ce que j'y arriverai? Sûrement pas. Mais je suis sûr, il y a un truc à faire. Mais ça peut être que trop rigolo, quoi. Enfin, à la fois utile et puis à la fois marrant, parce que tu sais à quel point le café, il en est, quoi. D'ailleurs, je suis dégoûté, parce que j'ai plus de café, il doit me rester 2 capsules. Ça va, les cours, je vais les récupérer demain. Et il y avait un seul type de boîte de café pour ma Dolce Gusto, là. Et bon, après, c'est du Grande D, c'est pas mon préféré, mais bon, après, ça reste, ça va. Mais du coup, c'est une boîte de 16 capsules. Sachant que par jour, je me fais environ 3 cafés. Et que les prochaines courses sont sûrement dans 15 jours. Donc 3 cafés par jour. Sur 15 jours. 45. Ça fait pas 16. Là j'ai quoi? J'ai une semaine quoi. Un truc comme ça à peu près quoi. Une semaine et demie. Donc bof quoi. Donc très bof. Je vais devoir refaire une commande sur Amazon. Je m'étais trouvé un pack. Bah, celui que je prends, c'est Dolce Gusto. C'est sur carte noire. Carte d'or. Je sais jamais comment ça s'appelle. C'est carte noire ou carte d'or. Il y a peut-être les deux. Mais je sais jamais c'est lequel. Et c'est la version petit déjeuner. C'est une boîte orange. Et la dernière fois, j'étais tombé là-dessus. Et c'est carrément un pack de 6 ou 8. Je crois que c'est 6. 6 boîtes de 16 cartouches. De 16 capsules. Donc là, il y a vraiment de quoi faire, mais ça part super vite, quoi. En plus, aujourd'hui, il n'y avait même pas de monster. Donc du coup, je me retrouve avec. Là, il va me rester quoi. Je crois que j'ai peut-être encore une blanche ultra white et une red, une rouge ultra red. Là. Ou deux ultra red, je sais plus. Et ça fait un moment que j'en ai pas bu, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas creuser à main nue. Ben non. Ça, c'est sûr. Mais tu pourrais quand même peut-être faire quelque chose, je sais pas. Vitriol. Non.
Je l'ai déjà essayé en plus. Je vais mettre l'ampoule là-dedans. Non. Là, je sèche. Après, je dis pas de spoil, pas de backseat, mais ça, c'est des bases du streaming, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais si je galère beaucoup et que je demande que je lâche la commande au secours qui n'existe pas, mais voilà. Ah, carte d'or, c'est de la glace, bien vu. Ouais. Donc c'est carte noire le café. Je savais bien qu'il y avait les deux qui existaient, mais pour moi les deux c'était peut-être du café. Ouais, la glace, elle m'est complètement sortie de l'esprit. C'est assez bizarre que cette grille ait été verrouillée depuis l'extérieur. Bah ouais, mais... C'est assez bizarre que je trouve pas quoi faire depuis tout à l'heure. Là, ça bouge, quoi. Oh... Est-ce que je peux pas, genre, là, ah, mais non, je pourrais plus, bon, c'est pas grave. Et là, le vitriol, on va nettoyer le truc qui est plein de moisissures, on peut pas. Que dalle. C'est trop chelou. Ah ouais, mais ça, ouais, il y a de la glace au café. Est-ce qu'il y aurait pas une glace carte d'or à base de café carte noire, ce qui serait possible parce que carte noire il y a des dérivés partout quoi. Je suis sûr que ça peut exister. Alors est-ce qu'on retourne là-bas voir notre ami le cerf, mais que au final on sait pas trop à quoi ça sert de voir le cerf. J'ai pas envie de voir une soluce, c'est relou quoi. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec lui. Quand on sert, son abdomen est déchiré, elle a l'air d'être mort il n'y a pas longtemps. Après, tu te dis, ouais, il y a peut-être une bestiole. Ou peut-être pas, peut-être qu'il gambadait, il faisait nuit, il n'a pas vu ça, il s'est arraché le bidet avec ça, quoi. Tiens, bois un coup de cyanure, ça t'abrégeait tes souffrances, ça m'était déjà mort. Carte d'or, carte noire, ouais, voilà, c'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient fait de l'as d'or par hasard, qui pourraient juste m'aiguiller sur un truc que j'aurais pas vu? Parce que c'est obligé, c'est un truc que j'ai pas vu et auquel j'ai pas pensé, mais. Mais là. Non, on peut même plus y aller, c'est le tout début. On peut pas. Allez, David, tu peux le faire. Va plus vite, David. Allez, David. Allez, David. Allez. Quand tu veux, David. Pourquoi tu veux pas changer de... Ah, ok. Voilà. Bon. C'est obligé, il y a un truc que j'ai pas vu quelque part. Toutes les pièces, on les a faites. Chaque objet, il y a ça. Il y a un truc qui se passe avec cette horloge, mais il nous manque une aiguille. Il manque l'aiguille de l'horloge. Donc, cyanure. Vitriol. Fait trop longtemps, bah, j'imagine, parce que moi je le fais maintenant, mais le jeu il est sorti en 2013, quoi. Ah, salut Tom, bonne nuit, je dois partir, bonne soirée, amusez-vous bien, à plus tard. Ciao ciao, bonne soirée à toi. J'ai eu des briefs de live de Maskim à un moment, mais ouais, voilà, c'est ça, c'est pareil quand même quand je vois les lives de Maskim sur un jeu que je vais peut-être faire après, j'ai plus de souvenirs. C'est comme Sherka, les lives Siberia,
C'est bon, je peux refaire Siberia 1, 2 et 3, je me rappelle de rien du tout. Sur le moment, c'est cool, tu diras, ah, tiens, c'est bien. Après, c'est bon, bah, c'est complètement oublié, j'ai une mémoire vraiment de merde, quoi. Deux vieilles tasses de thé sont posées sur la table, l'une d'elles est pleine et encore chaude. Ouais, mais c'est quoi? Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi, avec ça? Pourquoi ça grince par terre? Un journal intime, mais j'ai pas envie de le lire, on l'a déjà lu. Et là, c'est le garde-manger avec les épices, mais tu peux rien faire. Là, pareil, tu te dis, ouais, tu peux peut-être prendre une vieille bouteille puis faire un mélange de cyanure et de vitriol. Non, que dalle, t'as pas le droit. T'es puni, t'as pas le droit de faire des mélanges random. Là, y a rien à utiliser. On va regarder ce qu'il y a dans le puits. Il y a peut-être autre chose, hein. Peut-être quelqu'un. Étrangement, il semble pas y avoir d'eau dans ce puits. Bah oui. Je peux pas y aller. Bon. Si j'expose la plaque photographique à la lumière naturelle, je détruirai l'image. Il me faudrait une chambre noire. On l'a pas fait ça. Donc l'enveloppe, c'est la photo qu'il faut qu'on développe. Et là, il dit pareil. Ok. Du coup, il va nous falloir une lampe, une ampoule rouge. Je pense. Parce qu'on a pris l'ampoule. Le verre ou... Ah, attends. Est-ce que j'ai utilisé l'ampoule sur le verre rouge? Est-ce que c'est ici? Mais pas du tout. L'enveloppe, en fait, c'est une photo qu'il faut qu'on développe. Mais il faut pas la mettre à la lumière. Donc en gros, il faut utiliser une lumière rouge de truc de photo, quoi. Je viens de me rendre compte qu'une rumeur datant d'avant la sortie de Big Ding of the c'est devenu un titre ultra rallonge maintenant. Devenir indirectement réel. Ah, elle parlait d'un boss final alternatif dont quelqu'un a fait un mock-up qui inspirait le boss final du mode Anti-Burst qui est inclus dans le. D'accord. C'est cool. Encore une fois, si c'est un DLC, pourquoi pas, mais un mode, non. Pour reprendre notre discussion sans parole de la nuit dernière. Et je te signale, je galérais à taper des messages, pour ça qu'il y avait des fautes à chaque fois. C'est que la tablette, elle est là. Bon, là, faut que je switch de scène. Tac. Là, la tablette, elle est là. Le clavier, il est là. Il fallait que je galère et je vois pas le clavier là en fait d'ici. Je vois limite la première ligne ou la deuxième quoi. Donc voilà. Faut pas s'étonner si des fois j'écris des trucs dans le chat et qu'il y a des fautes ou que ça rime à rien ce que j'écris. Ça vient de ça quoi. Allez voir là-haut, hein. C'était là-haut, je crois, le studio photo, non? Si je me plante pas, c'était tout à droite. Et il y avait, c'est pas du tout là. Donc c'est là, c'est le rideau. Pardon. Ah, c'est là. Donc il y a ça, je peux pas les ramasser, genre trouver de la colle et puis reformer un truc. Genre les coller sur l'ampoule, quoi. C'est le verre rouge qui recouvrait la lampe, il est complètement brisé et éparpillé sur le sol.
Il y a plein de trucs. Il y a un truc là qu'on n'a pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas fait. Un trépied. Ah bah si, je l'ai fait. Bon. Avancer du coup. Un bassin avec un siphon en cuivre. Je vais mettre l'enveloppe dedans. L'étiquette sur l'enveloppe déconseille de l'ouvrir sous une lumière blanche. Ouais. Ça, je l'ai pas vu, je crois. Faut que des photographies pendent à une ficelle. Il semble qu'elle n'ait pas été proprement développée et difficile d'y distinguer quoi que ce soit. Ça, c'est pour te dire si tu fais n'importe quoi, ta photo, bah, c'est foutu. Ça, c'est le, ouais, le truc des rats. Ah, peut-être pas vu ça. C'est un gros livre de formules chimiques, mais si on l'a lu, ça. Je vais le relire vite fait, mais pas à haute voix. En effet, je vois que tu vois pas. Ouais. Voilà. Après, je suis obligé de me pencher derrière pour essayer de trouver des lettres, des fois, parce que je suis pas dactylo, je connais. Je connais à peu près le clavier, hein, comment il est foutu, hein, depuis le temps, quand même. Mais je suis pas dactylo, je pourrais pas écrire sans regarder le clavier, quoi. Alors, il faut verser. Ah d'accord, alors c'est le mode d'emploi. J'ai rien noté. Alors, reprenons notre post-it et notre stylo. Le collodion est le moyen par lequel le produit chimique sont unis à la surface de la plaque de verre. Donc déjà, il y a une plaque de verre, va falloir la trouver. Par lequel revêtement le produit. Bon, bah, la formule. Ouais. Développer une image positive. Il faut verser sur la plaque 1 g de vitriol. Alors. Sur la plaque du point 1 g de vitriol. Et seulement ensuite, ensuite, 5 ou 6 gouttes d'acide. Je sais pas s'il y a vraiment besoin, mais je note. Acide cyanhydrique. Bon, il n'y a plus de place, mais on comprend. Puis, la plaque doit être méticuleusement passée sous l'eau. Plaque sous l'eau. Je teste, j'écris ça sans regarder le clavier. Waouh, GG. Mais on ne saura jamais si tu dis la vérité. On est sur internet, tout est faux, j'abmique et raconte n'importe quoi. Bon, il faut verser sur la plaque, passer sous l'eau pour enlever toute trace de produits chimiques, d'accord. Ensuite, on va foutre ça à côté. Cause d'échec. Ouais, cause d'échec, Osef. Si on s'est planté, on nettoie sous l'eau. Ok. C'est tout. Donc, je recolle mon machin par-dessus. Mais j'avoue, écrire comme ça sans regarder le clavier. On a appris ça à l'école à l'époque. Enfin, on a tenté de nous apprendre ça à l'école. Mais il y avait des techniques, genre tu sais que t'as le J, le H, je crois, ou je sais plus quelle lettre. Les lettres où il y a une espèce de repère, là, il y a un petit truc qui te fait, qui te dit, tiens, ah, ça c'est la bonne touche. Mais à partir de ça, après, t'as l'espace
par rapport à tes doigts, tu sais que le pouce il sert que pour l'espace. Enfin, voilà. Mais c'était hardcore. Un instrument dont la fonction n'est pas de ma compétence. Mais oui, mais Osef, c'est pas de ta compétence, mais regarde quand même ce que c'est, ou prends-le, ou fais quelque chose, je sais pas. Là, si je mets du cyanure là-dedans, non. Si je mets du vitriol, non. On peut rien faire. J'entends gratter, c'est le chat qui gratte. Et quand le chat qui gratte, le chat a fait caca. Il n'y a plus qu'à espérer que c'est dans sa boîte, mais vu le bruit que ça fait, c'est dans sa boîte, ça va. Mais il y a des fois, elle gratte dans sa boîte, et en fait, non, elle sort, et puis là, elle fait le reste dehors. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, tu sais pas pourquoi. Complètement pété aussi, elle. Alors, c'est le verre rouge qui recouvrait la lampe. On l'a déjà lu 15 fois. Donc, ah, Ben non, pas assez sous l'eau. Attends. Parce que là, il y a la main, là. Ça, c'est le robinet. Je peux ouvrir le robinet. Pour passer sous l'eau. Ce qui veut dire que ça, je peux peut-être la passer au robinet. Je dois mettre la plaque photographique dans un endroit approprié pour travailler dessus. Mais si je veux travailler dessus... Je dois la passer sous l'eau pour la nettoyer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon. Je vais la mettre là-dedans. Mais là, il va me dire non, tu peux pas parce qu'il y a la lumière. L'étiquette s'enveloppe des conseils d'ouvrir sous une lumière blanche. Mais Osef, t'as ton étiquette. Éteins ta lampe. Fais quelque chose, je sais pas, brûle la lettre. La lampe, on va la poser. Non. On peut pas. Mais complètement pété, ce chat. Elle fait peur. Elle était là. Et là, elle revient, elle fait pareil. Mais t'es teubé? C'est quoi ton problème? Hé. Hey. Oh, je te parle. En train de fixer sous le lit, je sais pas si elle a vu quelque chose. Hé, hey, espèce de gogo maou. Ça y est, elle a vu la télé. Bon, ok. Bon, alors. C'était un peu plus long. C'est trop défilé. Je teste, j'écris. C'était un peu plus long quand même, d'accord. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à ce clavier quand même avec les touches macro à gauche. Ouais, pareil, à chaque fois je me plante, je crois que je fais des contrôles ou des shifts et j'appuie sur les macros. C'était ça le son de périphérique? Le son de périphérique. Ça c'est le son de juste avant, c'est le chat qui vient d'étaler. Tu sais pas pourquoi, elle était là, elle s'est posée à côté. Là, elle est couchée, là. Et d'un coup, elle s'est levée, elle est partie en balle. Mais le truc est incompréhensible. Déjà, tu sais pas pourquoi. Et, quoi, 5 secondes après, puis tu la vois qui revient tranquillement. Qui se repose au même endroit. Je sais pas. Je sais pas. Je saurais jamais, je crois. Un Mao. Complètement pété ce chat. Alors, c'est pas tout ça, mais on a des trucs à faire. Je vais aller. Je vais finir par chercher une solution. Ce truc-là, il faut qu'on trouve à quoi ça sert quand même. Parce que là, pour le moment, le truc que je me dis, c'est qu'il nous faut une lumière rouge. On a juste pris la lampe, là. Et... cette ampoule pourrait m'être utile. Mais c'est tout. Et là, l'ampoule avec le verre, on peut pas.
Et le verre, on peut pas le prendre. Ça pue la mort, je sais pas si c'est sa litière ou si elle a encore fait son délire de je gratte dans la litière, mais je vais chier à côté dans le couloir. Ouais, c'est ça. J'ai pas bougé, pourquoi tu me regardes? Mais avec le boucan qu'elle a fait quand elle a détalé, laisse tomber. En plus, c'est du parquet. J'ai pas de complice à moitié quand elle a voulu partir en balle. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Y a rien d'autre là-dedans. Il y avait une page de journal. Mais non, mais j'ai pas envie de la lire, ta page de journal. La langue, si jamais, je vois bien un truc. Ah, bah, dis. Dis-moi. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la lampe? On la met sur la tête du monsieur. Voilà, voilà. Le monsieur, il a littéralement une tête d'ampoule. Bon. Mais, ouais, je vais finir par aller voir une... Una solution de la... Je sais pas. Je sais plus quoi dire. Pardon. Mais non, mais ouvre pas Twitter, m'en fous de Twitter. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si je galère vraiment à mort, que je commence à parler de Solus, faut pas hésiter. Hein. Si ça peut m'éviter d'aller chercher une Solus. Je vais quand même l'écrire au cas où. Si on met l'ampoule dans du liquide rouge, genre... Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'était sûr. Ah oh putain, j'ai 3000 trucs ouverts là sur ma tablette. Mais c'est sûr, c'est ça. Merci beaucoup pour l'idée, Alexander Marak. On va aller voir ça de suite, mais je suis sûr, c'est ça. Mais ça, par contre, ça. On est d'accord, c'est pas très logique, parce que le sang, je suis pas sûr que ça tienne. Quoique, c'est quand même assez épais, hein, des fois. Ça sèche vite, hein. Ouais, ça pourrait. Après, ça va peut-être craquer. Il va falloir se dépêcher pour la... Pour développer la photo. Mais là, c'est ça, c'est sûr. Voilà, là, ça marche. Bon, le bruit dégueulasse, ça aurait en aucun cas fait ce bruit-là si tu mets vraiment une ampoule pour essayer d'avoir du sang. Donc, je sais pas, il a ouvert le robinet du cerf. C'est le seul truc rouge qu'on a vu et qui peut intervenir. Mais oui. Mais... Non, mais c'est complètement ça. En plus, c'est con, j'ai carrément pas pensé du tout au sang, quoi. J'étais juste, ouais, il est éventré, il y a des boyaux, il est mort, mais j'avais pas le son dans la tête, j'avais tout le reste, hein. Tous les organes, si tu veux, je les avais, mais le sang, je l'avais pas. Et voilà, on a une ampoule, mais voilà. Voilà, et puis le chat qui a capté qu'il y a un bonhomme qui marche à l'écran, elle est... Et ça, c'est n'importe quoi. Dès que tu joues à un jeu qui contient un bonhomme, un petit perso qui va bouger sur l'écran, elle va le suivre direct, quoi. C'était où le truc de photo? Ah, c'est là-haut. Mais ouais, en plus, c'est vrai, c'est le seul truc rouge. Mais n'importe quoi, moi. Des fois, logique à toute épreuve, quoi. Ouais, bon, le cerf, il est mort, ok. Il y a les boyaux, il est ventré, de l'allier, ok.
Non, il n'y a pas de sang. Le sang, non, pas de sang. C'est comme... c'est bon, on va rigoler, on va faire un petit gag, on va utiliser le marteau sur l'oiseau en train d'agoniser. Bah, ça marche. C'est le même type de logique. Hein. C'est... Voilà. Pour savoir s'il s'en tient, faut pas chercher dans les lois de la physique, mais dans les lois de l'horreur. Et là, oui, ça tient. Ah bah oui. C'est sûr, vu comme ça. Et voilà, on a notre lampe rouge. Voilà, c'est tout rouge. C'est comme là. Parce que ma babar, elle est rouge. Et la nuit, bah, pour avoir un minimum de lumière, bah, je mets la lampe rouge. Et puis c'est bien, quoi. Il y a tout qui est rouge. De toute façon, même mes horloges, là, mes... Les divoum, les trucs, c'est qu'en rouge. Mon réveil, c'est le réveil sur l'iPad. Je l'ai mis en rouge. Et tout qui est en rouge, voire rouge, tous les soirs. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais tout est rouge chez moi. Bon, maintenant, c'est bon. On peut mettre l'enveloppe. Il va pas nous emmerdouiller. Bah voilà, ça marche maintenant. On la passe sous l'eau. Parce qu'on nettoie, d'abord. La plaque est imprégnée. Pourtant, il ne semble pas y avoir une quelconque réaction. C'est de l'eau que je viens de mettre dessus. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Sur la plaque, 1 gramme de vitriol. C'était pas 1 gramme. Là, t'as vidé la bouteille. L'huile a causé une réaction fortement acide. Oh mon Dieu, on a tout déglingué. Ensuite, 5 ou 6 gouttes d'acide cyanure, quoi. Voilà. J'ai appliqué les liquides dans le bon ordre. Tout ce qu'il me reste à faire est de rincer la plaque. Un petit coup de robinet. Une image apparaît sur la plaque. Oh waouh. Dans le fond, c'est soit Alexandre, soit David. Mais ça ressemble vachement à Alexandre. Et il a dit tout à l'heure sur le tableau, ça ressemblait vachement à Alexandre et c'est carrément le même type de visage. On le reconnaît bien, qui est dans le fond. C'est une photographie d'Anthony avec Alexandre. Ah bah non, même pas. Bah c'est qui dans le fond ? Donc, je répète, au cas où vous n'aurez pas entendu, hein, j'ai dit quelque chose de très important au moment du bruit soudain et de la lumière rouge et du frisson qui m'a parcouru d'un bloc. J'ai dit... Enculé. Ah, purée, c'est froid maintenant. Non, mais ça va pas arrêter de faire des photos comme... Il y a eu des bruits de pas à gauche, non? Ah non, c'est mon casque qui fait des bruits bizarres. Il craque. Je croyais qu'il y avait des... J'ai cru entendre des bruits de pas, ça sonnait vraiment comme des bruits de pas. Oh purée. Ouais, non, c'est le casque. Je commençais vraiment à avoir un doute. Oh. Et le truc, il a pas aimé le sursaut. Ça a dû bouger quelque chose dedans, je sais pas. Le lavabo a maintenant une tache sombre sur sa surface. Ouais. Du coup, on a plus de lampe, on a tout pété. On a pété notre lampe. Et ça fait quoi du coup? Il va encore y avoir des trucs dégueulasses qui vont popper dessus. Va retourner voir Alexandre.
On va lui montrer la photo. Je pense que ça pourrait être une solution. Hé, hey, regarde Alexandre, une jolie photo qui fait pop tes trucs de l'enfer. Alexandre, reconnais-tu cette photographie? Regarde, t'es ici avec notre vieil ami Anthony. Et il y a quelqu'un d'autre de flou en arrière-plan. Te souviens-tu de lui? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Ah. Ah. L'oiseau attend. Ah. L'oiseau attend. Et aiguille. C'est l'aiguille en or d'une horloge. L'oiseau attend. Mais prends-la, espèce de gogo. Et voilà, on a notre aiguille. Ouais. L'aiguille. Allez. Dernière ligne droite, il va y avoir encore des trucs horribles. J'ai remis l'aiguille de l'horloge en place. J'arrive plus à lire. Je n'ai plus qu'à la régler à la bonne heure. À la bonne heure, comme on dit. Ah! Et comment on la règle? D'accord, comme ça, à droite, à gauche, l'aiguille là ou l'aiguille là. Non, celle-là, on n'a pas besoin. Donc c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? 18h15. Donc à 6h15, c'est-à-dire la petite, la grande. On va aller par là. Waouh! D'accord. Et hop. Et là, clic, clac, Kodak. L'affaire est dans le sac. C'était un truc du tout premier You Don't Know Jack. Et c'était une catégorie, je sais plus quelle catégorie, mais il était trop bien ce jeu-là. Dommage, il n'y a pas de VF pour les suivants. Mais You Don't Know Jack en VF, c'était était trop bien quoi, le tout premier quoi. Du coup on va remonter, on va voir notre ami le coucou. Qu'est-ce qu'il y a dans le oiseau? Coucou, l'oiseau attend. Coucou. Oh non, ça va me donner mal à la tête. Le cadran est tourné et il faut 18h15. C'est-à-dire, il nous faut en fait 3 heures tout rond. Non mais quitte, c'est bon, je sais que le cadran est tourné. Il nous faut 3 heures, retournons les allers-retours. Il doit avoir mal aux pieds notre pauvre David. Il faut 3 heures tout rond, donc on va remonter encore une fois. Encore un. Voilà. Clic. Le bruit vient de l'étage. Il est horrible. Le bruit du coucou, il est horrible, j'ai pas envie d'aller voir. J'ai pas envie, il était trop violent pour un simple bruit de coucou, j'ai pas envie de voir. Il va y avoir un truc de... Voilà. Je pars trop reculer parce que si je tape les étagères, je me prends tout sur la tronche. Ah non, il y a un truc. L'oiseau a éclaté en plein vol, maintenant son bec est ouvert. Zaylatatal, j'ai pas eu le temps de lire. Zaylatal. Il y avait une clé à l'intérieur de l'oiseau. Non, on peut aller dans la cave maintenant. Il y a une sorte d'attaque. Il tremble d'une profonde terreur. Tu veux un peu de cyanure, mon ami? Non. Bon. Ah, en parlant de mon ami. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo d'amis des lobbies. Je les ai pas vus passer alors. J'espère que ça m'a pas encore viré les...
les notifs automatiquement ou que ça m'a désabonné parce que j'ai des chaînes qui ont sauté. Ce qui est très relou. J'espère que ça en fait pas partie parce que vraiment une chaîne qui est ultra cool quoi. La musique est de plus en plus forte, il y a un truc qui se passe qui est pas cool. On va ouvrir la dernière porte. C'est la porte de la cave de chez Maskim. On va savoir ce qui se passe. Que va-t-on y trouver? Putain de ta mère. Déjà, le corbeau blanc a fait des petits. Ils n'étaient pas très blancs, mais ils sont tous partis. Bon, est-ce qu'on y va? J'étais me chercher un grand verre avec plein de glaçons, il fait trop chaud. Ah. Moi j'ai hésité à me prendre une Monster, mais vu dans l'état où je suis, j'ai envie de dormir, mais j'ai envie de bosser sur un truc, mais problème, voilà, c'est pas compatible entre les deux effets, quoi. Et j'ai pas pensé, j'ai pas pris de glace. On sent les courses, il y en a plus. J'ai pris la dernière. Hier ou avant-hier. Non, pas hier, j'étais pas là, donc avant-hier. Il y en a plus. Il y en avait, mais pas les bonnes. Donc j'ai pas pris. Oui, c'est très chiant, c'est le monologue de l'angoisse. Non, pas carte d'or. Quoique, c'est peut-être carte d'or, c'est des extrêmes. Mais extrêmes à la pistache choco. Surtout pistache. Et là, il y en avait, mais pas à la pistache. J'aurais quand même dû en prendre, quoi. Il y en avait à la menthe, et glace à la menthe, c'est cool, quoi. C'est bon. Allez, un tapis poussiéreux d'origine asiatique. Ok. Déjà, ça commence. Cécile était par là. Ce portrait est couvert de boue et de poussière, rendant le sujet indiscernable. Par contre, Hello Syrax sur Pokémon Épée. Il y en a deux qui vont devenir accro à Pokémon, je sens. Ça se trouve, c'est déjà le cas. Ce meuble possède plusieurs tiroirs. Mais ouvre-les. Voilà. Dans celui-ci, il y a une petite pelle de jardinier. Ah, bien. Ah bah, il les prend direct maintenant. Mais on n'a plus besoin de recliquer pour prendre. Okay. Derrière le drap se cache un truc horrible. Mais on ne peut pas ouvrir. On le verra tout à l'heure quand il s'ouvrira tout seul. Non? Putain, l'effet de caméra, il m'a fait bader. Je me suis dit, il va y avoir un truc horrible. Ça aurait dit comme un début de cinématique, le truc qui avance tout seul, quoi. Derrière ce mur, je vois des vestiges d'une mosaïque romaine. Je ne parviens pas à distinguer les détails très clairement. Une statue ancienne en très mauvais état. De vieilles ruines. Elle devait faire partie de l'infrastructure romaine. Un trou dans un mur, dans une cave. Je sais pas. Bon. Oh. C'est déjà plus accueillant. Il va bien y avoir quelqu'un là-dedans. Il y a de la lumière et tout. Un petit mot est froissé sur le sol. Je cherche mon voice mode que j'ai perdu tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, ça a bougé de page. Voilà. Un livre écrit dans une langue qui m'est inconnue. Il y a une annotation griffonnée en français sur l'une des marges. Ok, donc c'est juste ça, ça sert à rien. Une énorme cage pleine de restes de crasse. Des animaux étaient captifs ici. Narivation Umbrella. Des fioles non étiquetées de l'équipement de laboratoire. Des fioles et des tubes à essai. Tout est imprégné de résidus chimiques et l'air est empli d'une odeur de vinaigre. On a déjà lu.
d'innombrables bocaux dans lesquels les objets obscurs sont en suspension dans du formol. Pourquoi la musique est de plus en plus forte ? Arrête la musique, tu me fais peur. On va utiliser la pelle. Hein. Parce que là, il n'y a rien à ramasser de plus. On a tout inspecté. Par contre, ça et ça, j'ai l'impression que ça me disait la même chose. D'innombrables bocaux dans lesquels... là. Et là, je regarde ça. Ok, bon, bah c'est pareil. Bon. Allons-nous-en. Cet endroit est l'endroit des feux. Ça touche de triche, mais on a tout vu ici. Ah, on n'a pas vu le tableau là. Spartan, ah, bah si, on l'a vu en plus. Bon, bah. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le chat qui est en train de fixer le couloir avec des yeux. C'est pas des yeux, c'est des billes. Et puis elle est concentrée, elle est en train de fixer. Ah bah oui, ok. Bon, allons déterrer là-dedans. Qu'est-ce qui est... Je sais pas s'il pourrait y avoir, mais... Alors, sûrement quelqu'un. Il m'a fait peur quand il a mis son coup de pelle. Oh purée. Qu'est-ce que quoi? Attention. Déjà, je vais faire un truc, je vais remonter. Siège de marde. Un super slogan. Siège de marde, 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 marde. Bon. Ah. On a perdu la lumière. Oh, purée. Alors, pareil, cette lampe là, allez. Voilà, c'est le setup complètement déglingué. Ici, c'est bienvenue à Déglingoland. Et pourquoi ça marche pas? Ça marche dans un sens, c'est pas dans l'autre. Mais tu te fous de ma gueule? Mais qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as? Ah, non, bon. Je pense qu'on l'a perdu. Ok. Au moment où je la pose, elle est revenue. J'y touche plus. J'y touche plus du tout. J'essaie de pas bouger de truc. Ça se trouve, j'ai mis un coup d'accoudoir là dans le bureau qui a juste décalé un tout petit peu le câble et qui l'a éteint. Bon. Hop. Alors, il y a un cadenas. Le cadenas est très rouillé et presque cassé. T'as pas aussi un truc pour cette lampe? Il faut la tremper dans le sang fraîchement déversé. Je vais la tremper dans le sang. Hop. Trempons la lampe dans le sang. Mais non, mais je suis dans Divo, mais je fais n'importe quoi. Ça c'est quoi? Ça c'est Twitch, non? On va pas le quitter. Twitch, il est bien le chat. Si je confonds tous mes bordels maintenant, on est mal barré. Le champ d'action se limite au 100, malheureusement. Trempons
cette lampe dans le sang. Ah. Mais reviens. C'est n'importe quoi maintenant. Voilà, on va la remettre comme il faut. Bon. Par contre, j'ai eu la bonne idée de lancer l'appli Divoom. Ça m'a complètement pété ma lampe d'en face. Ma lampe. Ma truc là qui me donne l'heure. Voilà, et là je peux le fermer. Parce qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de se resynchro. Mais maintenant, ça déconne, c'est quand je quitte l'appli. Et bah, elle veut plus rien. Il y a le symbole Bluetooth, genre non, t'es plus synchro. Alors que l'appli, elle tourne pas 24/24. Et j'ai juste à la lancer une fois pour remettre la truc à l'heure. Et normalement, c'est bon. Donc là, je sais pas ce que t'es en train de me faire, là, le machin. Par contre, le fait de lancer l'appli, ça me resynchro la lampe avec la vraie heure. Ça, c'est pas mal. Mais quand même, quoi. J'ai pas envie de laisser l'appli tourner, ça va me bouffer de la batterie pour rien. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça, on verra. Pardon. Lui, il a dit qu'on peut taper dessus. Il y a des trous. Une boîte en bois, elle semble trop petite pour être un cercueil. D'accord. C'est de la terre ou c'est des trous? Non, ça doit être de la terre. Ok. Et là, on peut taper dessus. Le canard résiste encore, je ne peux pas l'ouvrir à la main. Mais... Arrête, avec ça. Ouais, ouais, c'est une lampe à huile, c'est en cuivre, en métal. Tu peux taper un truc quand même avec... Je vais te faire couler du cyanure. Ah! Du vitriol. Oh. Ok. Ok, on a trouvé Lucie. Il a un truc dans la main. Des restes d'un corps humanoïde, mais avec un aspect d'animal grotesque. Peut-être un petit singe. Il porte un collier avec les mots Vieux Mike graffés dessus. Les doigts squelettiques de la créature serrent une toile enroulée. C'est une carte des étoiles. Stargate. On est revenu à Stargate, tout est lié. Carte des étoiles. C'est une sorte de carte de navigation. Plusieurs constellations sont marquées. Donc il y a Deneb, Altair, le Summer Triangle, Vega. D'accord, c'est tout. Ok. Ah, pas vu ça. À côté du corps, il y a une feuille de papier. Hop, hop. Cher Alexandre, sans le moindre doute, tes méthodes sont meilleures que les miennes. Comment t'es-tu débrouillé pour obtenir des résultats aussi promptement? D'un autre côté, ma révélation avec le traité d'alchimie n'était pas fortuite. Lorsque j'ai examiné le texte de plus près, j'ai tiré la conclusion que, pendant longtemps, Raymondus Lully a recherché la même chose que nous. Dans sa démonstration, il décrit une formule qu'il nomme UP. Oui, comme l'oiseau légendaire. UP. Cela ressemble à peu de choses près au sérum avec lequel nous avons tant travaillé. Je suis vraiment attristé par ce dont tu m'as parlé à propos du vieux Mike. J'espère qu'il ira bientôt mieux. Bidete, ne quis, siat. Je vais dire siat. C'est peut-être la dernière fois que je le dis, je dis siat. 2 juillet 1887.
Bah, on va retourner voir Alexandre au-dessus. Alexandre, il n'est plus là. Ah, putain. Putain, non, c'est pas le coucou qui s'est fusionné avec la tête de David. C'est que le jumpscare lui a fait hérisser les cheveux de ouf, là. Là, il a la coupe de M. C'est Mathieu Chédid, le retour, quoi. Bon, alors, fenêtre de marde, là. Quelques pages du journal sont posées sur la chaise roulante. Elles sont en partie déchirées, comme si quelqu'un les avait retirées à la hâte du journal. 31 octobre 1891. J'écris ceci à la lumière de ma lampe de bureau, espérant être capable de me souvenir. Pardon. Espérant être capable de me souvenir de tout quand les oiseaux chanteront et quand la grâce du soleil chassera les ombres noires de mon esprit. Pendant tout l'après-midi, un vent puissant a balayé la vallée, tellement puissant qu'il a cassé la branche la plus épaisse du vieux chêne du jardin. Il m'est difficile de trouver le sommeil depuis quelques nuits, alors je lis beaucoup tout en veillant le professeur. Je ne sais pas exactement quand je me suis endormi, mais j'ai été réveillé par la fraîcheur de la nuit qui s'infiltrait par la fenêtre anormalement grande ouverte. J'ai regardé dehors et je l'ai vu. Le professeur était miraculeusement réveillé. Quelle n'était pas ma joie de le voir debout sur son balcon, contemplant la vallée avec une expression sereine, appréciant l'atmosphère calme et fraîche qui avait suivi la tempête. J'ai ressenti cet instant comme une bénédiction accordée à cette maison. Et pour un moment, je me suis senti immensément heureux. Je l'ai fixé quelques minutes sans dire quoi que ce soit, par peur de dissiper cette vision que je n'espérais plus. Puis, au milieu de ce silence, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang et m'a arraché à ma tranquillité avec un frisson si terrible que je ne l'oublierai jamais. C'était un bruit sourd derrière moi, lourd comme la dalle d'une tombe qu'on aurait fait glisser. Les ronflements de Monsieur Alexandre, qui était en train de dormir paisiblement dans son lit. J'ai déjà pris ma décision. Je quitte cette maison. Ok. Une statue, elle tient quelque chose. C'est une lentille en cristal montée sur un anneau en métal. Il y a plein de fois où on peut regarder le ciel. Je suis sûr que c'est ça. Il va falloir regarder le ciel ou quelque chose. Et re-choupinateur. Je sais pas où je vais, mais je vais aller voir par là. Aller voir à l'extérieur. Ça m'aurait pris la journée, mais j'ai enfin atteint la maison d'Alexandre, mais tu l'as déjà dit. J'ai eu peur, la coupure de son, aussi, il y a une cinématique horrible encore. Mais là, il y a un truc que je peux pas voir, c'est relou.
Le pauvre cerf, je suis en train de lui marcher sur la tête. Ah, mais... Bah non, on peut plus. C'est une sorte de carte d'irrigation. Bah oui, mais... Mais arrête. Bon. Un nettoyeur vitriol. Non. Là-dedans, on a pris le vitriol déjà. Il y a des symboles étranges gravés à sa surface. Enfin, sur sa surface. Une lentille. Ah, bah l'espèce d'appareil de... C'était où, ça? Et il dit, ouais, il y a un appareil, mais je sais pas moi servir, alors je m'en sers pas. Mais là, c'était où? Je sais plus. En haut. Je vais aller voir en haut. C'était pas en studio photo? Je crois que c'était là. Hein. Ouais, c'est ça. Un instrument dans la fonction n'est pas le même. Mais ça marche même pas. Je vais passer sous l'eau, on peut pas. Mais reviens où tu vas. Pardon. L'image est estompée. Ouais, mais on peut pas. Bon. Ah, un truc d'appareil photo. Faudrait pas trouver un appareil photo des fois. Et du genre, là, on poserait l'appareil, on poserait espèce de truc à symbole sur l'appareil. Que dalle. Que dalle, que dalle. Bientôt. Il y a pas un truc. La boîte de Médoc.
Ah, peut-être là. On peut pas regarder le ciel. Ok, super. Donc c'est pas ça. Ah, non. Il y avait quoi déjà en bas, je me rappelle déjà. Ah, mais attends. Il y avait plein de trucs. Nettoyer peut-être. Ok. Qu'est-ce que c'était? J'ai un frisson de la mort là qui m'a parcouru de ouf. Non, j'y vais pas. Non, non. Il y a des choses là. Il y a des choses dans le trou là, non? Ok. Maintenant, on a une entrée. Ah, un télescope. Trop bien. Un scrotum en bois, magnifiquement sculpté. Le bâton n'a ni poignée ni serrure, seulement des symboles étranges. Ça n'ouvre pas le meuble. Sauf que si on regarde le ciel avec ça. La lentille s'emboîte parfaitement au télescope. Waouh! Attention, qu'est-ce que quoi? C'est le ciel étoilé de Star Wars. Ah, lui, on peut le prendre. Lui aussi. Non, ça, c'est pour se barrer, pour sortir. Mais lui, on peut le prendre. Non, il y avait un truc tout à l'heure. Non? Je peux ramasser les pixels. Non, mais arrête. Mais je vais pas ramasser chaque pixel. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Je ne pense pas que ce soit le triangle que je cherche. Mais... Triangle. Au pif. Non, il y a la photo là, le truc de mes ressorts. Voilà. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc là, tout à gauche, en haut à droite, en bas. Ok. Non. Bon, bon, bon. En tout cas, c'est ça. Hein, faut. Ouais. Ok. Je sais. Voilà. Faut faire un truc avec les signes du zodiaque et les étoiles. Faut ouvrir la porte des étoiles. Pardon. En gros, là, il faut refaire le triangle. Il y a trois points. Il faut juste savoir quel point activer. Donc c'est en haut. C'est pas tout à gauche. C'est un peu plus haut.
Donc c'est quand tu pars comme ça, là. Après, quand tu pars comme ça, là. Et quand tu pars au milieu, c'est 1, 2, 3 en partant du bas. Est-ce que ça marcherait comme ça? Nous allons vérifier ça. 1, 2. Ah, mais là, 3, non. Pas du tout. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Non. Peut-être pas. Ça, sur le dessin, techniquement, c'est celui qui est tout à gauche, celui qui est entre les deux, et celui du bas, mais pas celui qui est tout en bas, il y en avait deux en dessous de celui-là. Il ressort, sort. Voilà. Alors, c'est le dernier truc du jeu, je suis sûr. Et le truc le plus random. Donc, Deneb, on va dire, c'est une espèce de bonhomme oiseau qui s'envole. Altair, c'est une croix. Et Vega, c'est un bonhomme qui est penché en avant avec les bras écartés. Faut essayer de voir ces trucs-là là-dedans. Vue. Ok. Là. Les pieds. La tête, celle-là. Donc, ces deux-là, ils sont bons. Hein. Ah, quoique non, je mettais celui-là à chaque fois, je crois. Et là, en bas, c'était Random Max à mort. Là, il y a une espèce de croix. Celle-là. Ah, voilà. C'est le triangle des nuits d'été. Ok. Ok. C'était quoi en dessous, je sais plus. Ça, c'est pas ça. Celui-là, voilà, et en bas, ah bah ça doit être ça. Et un petit cabinet avec deux emplacements pour des seringues, il en reste qu'une. Encore cette voix, elle vient du fin fond de la fosse. Il n'y a rien d'autre ici. Une seringue hypodermique vide. Ah, mais j'avais pas vu, là, il y a un trou. On n'est pas allé, là. Ouah. Alexandre. C'est l'endroit, la salle du début. C'est ce que tu m'as demandé de chercher, pas vrai, Alexandre? La dernière porte. Zaylatal. La dernière porte? Nous pouvons la franchir ensemble. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'attends ici, dans la brume. Il est tout près, je peux l'entendre. Qu'est-ce qui est tout près? Mais qu'est-ce que tu entends? J'entends le battement de ses ailes.
Il sait que nous avons peur. Je suis prêt. Assieds-toi. Une grande variété d'instruments chirurgicaux et quelques tubes remplis de produits chimiques. Bon, ben on va s'asseoir. Bon, et maintenant, assieds-toi. Mais c'est bon. Assieds-toi. Ah, parce qu'il fallait lui filer ça, ok. Aïe! Ok. Pensez-vous que nous découvrirons des indices à l'endroit où se trouve David? La police doit avoir tout fouillé et tout emporté. Mais nous n'avons pas d'autre piste. Avec un peu de chance, ils auront manqué quelque chose. Et cette pièce? Il y a une lettre cachetée entre cette table et le mur. Herbie Schwartz ne l'a, semble-t-il, jamais envoyé. Je pense que le mieux est que vous la lisiez. Mon très cher Alexandre, je t'en prie, tu dois y réfléchir. Nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire. Si tu venais ouvrir la porte, celle-ci pourrait le rester à jamais. Une porte grande ouverte à tout ce qui vit de l'autre côté. Videte negutia. Bam. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Non! Non, on se retrouve encore dans la brume de l'angoisse. Non, David, n'y va pas. Fais des zigzags, le chemin ne sera que plus long. Oh, c'était quoi? Ok. Encore y avoir un screamer de la mort. Ou purée, ou peut-être pas. De l'As d'or, Ancient Shadow a été créé grâce à 2040 contributeurs. Il est paru le 14 février 2014. L'aventure continue dans la saison 2. Ok. Mais j'aurais dû laisser la musique, c'était bien la musique. Bon bah... J'ai appuyé comme à gogo, pourquoi j'ai appuyé? Si je fais retour, je reviens... Oui, mais je reviens là, mais je suis con. Mais oui, mais c'est l'écran de retour, je reviens à l'écran principal. Forcément. Bonus, c'est quoi dans les bonus? La morgue, peine de mort, des vagabonds dans la brume, la veillée de Beach Wars. C'est quoi? C'est des phases de jeu ou... Parce que vu l'heure qu'il est, j'ai pas envie de lancer un truc, mais... On verra bien si... J'ai encore l'impression que j'ai des trucs qui... Waouh, ok. Ok. Et ben la semaine prochaine, on fera les extras.
Ah, et bah. S'il était trop cool ce jeu, il est toujours. Pour le moment, vu qu'on n'a pas encore totalement fini, on a aussi la saison 2 à faire. Et. On n'en a pas fini. Alors. Pardon. Je vais peut-être pas faire long feu ce soir. Je crois que je vais me poster sur le lit. En plus, j'ai froid. Je sais pas. Pour tomber malade, non? Donc, du coup, je vais me poster avec ça sur le lit. Avec la télé en mode épisode de Buffy, j'ai commencé la saison 2. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive, et que je voie plus rien et qu'il fasse tout noir. Et qu'il fasse tout noir, parce que j'ai même pas réussi à dire ma phrase en entier. Bon. Et ben encore une fois, c'était très cool de Last Door. Et. Bon, la semaine prochaine, on fera les extras. Ça va dépendre combien de temps ça dure. Si ça dure tout le live, de faire les 4. Il y en avait 4 ou 5, je sais même plus. Enfin, de faire tous les extras. Tant mieux. Comme ça, ça fera un live pour les extras. Et après, on commencera la saison 2. Mais sinon, si c'est rapide, on commencera la saison 2 quand même, quoi qu'il arrive. Tant qu'on dépasse pas 23 heures, eh ben, on continue, quoi. Enfin, non, je sais pas ma phrase dans le bon sens. Tant que on n'a pas dépassé 23 heures, on continue. Voilà. Bon, alors vous vous douterez probablement que ce soir, cette nuit, il n'y aura pas le live de la nuit qui était plus ou moins live exceptionnel hier parce que c'était pour rattraper le retard sur le Ch'touloulou qui a été très bien rattrapé. Et je suis vraiment content du rendu que ça a eu. Mais voilà quoi, demain on se fait tranquillou. Alors j'ai les courses à aller chercher à 13h30. Normalement il n'y a personne quand j'y vais à cette heure-là. Donc j'y vais 5 minutes après. Je suis en train de repartir déjà. Donc ça va me prendre quoi 20 minutes à tout casser. Ce qui serait cool. Donc dans tous les cas, à 14h30, bah, on sera là. Pour le petit Pixel Délice du jour. Et si on n'a pas le thème Pixel Délice, parce que c'est on a plus ou moins vu ça, hein, le week-end, le thème arrive plus tard. Donc si le thème arrive plus tard, et ben on fera autre chose, notamment bosser, mais vraiment sur le Pix Together, parce que la limite c'est le 2 juin. Il faut le poster entre le 2 et le 3 juin. Et mine de rien, ça a commencé à arriver, quoi. C'est dans une semaine, quoi. Donc, voilà. Demain, programme, eh ben, du Pixel à 14h30, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Enfin, non, jusqu'au moment où on aura fait le thème du Pixel Délice, quoi. Voilà. Allez. Sur ce, je m'éternise pas plus. Ça va faire une rime, mais je vais peut-être aussi faire un petit tour, voir si c'est encore du monde du côté de chez Globtopus, où j'ai d'autres gens de la Globi Family, comme on dit. Et sinon, ouais, bah, bonne fin de soirée, bonne nuit même. Merci beaucoup, mais beaucoup d'être passé, les gens. Merci d'être encore là à cette heure-là. Parce que là, mine de rien, on a eu trois viewers tout le long. Et ça, c'est cool parce qu'il nous faut une moyenne de 3 viewers par live. Et c'est bien parti pour le petit délire des points Pix. On va les appeler les points Pix. Il va s'éterniser. Non, on ne s'est pas éternisé. Hein, le blabla de fin de cette nuit. Il était pas long, il a pas duré une demi-heure juste en blabla de chat, non? Mais ouais, du coup, si on arrive à tenir les 3 viewers en moyenne, et ben y a moyen de s'amuser avec les points de chaîne. Moi, c'est le seul truc, vraiment le seul truc que je veux activer, quoi. Donc, pour rappel, pour le moment, les tarifs, c'est 8000, 16000, 32000, 64000, 128000. Voilà.
ça va être comme ça. 128 000, ça sera une dilue de ouf. Hein. C'est 128 par 128. C'est le format carré qu'on a fait pour le Pixel Délice de Sailor Moon et du Minecraft là, que j'ai fait pour Grass et Sailor Moon. Les autres, ils font 128 par 72 en gros. C'est un peu c'est la moitié quoi, quasiment. Au niveau de la hauteur, mais un 128-128, là, moi je vous conseille vraiment d'économiser les points pour avoir 128 000. Bon, après, vous aurez votre pixel art dans 3 ans à ce rythme-là, mais ça sera un gros pixel art. Et c'est un truc qui sera personnalisé par rapport au thème que vous avez choisi, par rapport à ce que vous voulez, et qui sera à vous. C'est pas, ouais, j'ai fait un truc, c'est bon, regarde, j'ai fait ça pour lui, mais c'est tout. Non, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez après. Hein. C'est dans le même principe que ce que Camille Non y fait avec les pixelisations de tronches. Bah, moi, je vais faire un pixel art par rapport à ce que vous voulez. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, bon, allez. Sur ce, bonne fin de soirée, bonne nuit. À demain après-midi. Pour le live Pixel Délice du jour. Jouer ça avec l'outro parce que j'ai même plus l'habitude de faire les live gaming. Du coup, je lance l'outro. Je vous dis à bientôt, à demain. Dormez bien. Tout va bien. Takada. Soin, soin. J'ai pas d'autre rime en un. Donc, ok. Ciao, ciao, à demain. Peut-être, si vous êtes là. Mais moi, j'y serai. Bye bye.